Néyou! Ah ouais, niqué. Bon! Et ben, Zeti part! Alors. Est-ce que les Mystery Egg, faut que je les garde? Faut que je les garde pour en fait plus tard. C'est quoi ça? To remove Kajarium upgrade. Ouais, ok, donc c'est pour Kajarium, on s'en fout. Mais plus tard, ouais, faut que je les garde pour en fait avoir des Mystery Hostile Egg. Et ça, du coup, tu t'en sers justement pour faire Kajarium. Okidoki. Puis là, donc, on a du Terrifying Storage qui commence à se faire. On a un petit peu de Create aussi hein, qui commence à s'accumuler. En vrai, bon, la Gearbox c'est pas. Bon, insane en termes de ressources, même si ça économise quand même 9 blocs de. Enfin, 9 lingots d'iron, je veux dire. De Chromium Iron, donc sur 7 prix. La Water Wheel, elle, c'est pareil, ça économise un petit peu de ressources. Et la Large Water Wheel, ça économise quand même un pog. Hein. Donc, mais je savais pas que t'avais des larges et des normales. Hein. Faut avoir du coup, attends. Du coup, on a des larges. Ah ouais, elles sont vachement plus grandes celles-là. Ça va être un enfer en fait, automatique du coup. Ah, par contre, en ajoutant les sides en plus, ça va pas augmenter sa force. Attends, wait. Donc, ça va pas improve en fait la kinétique output machin. Et ça tourne deux fois moins vite hein, que les Water Wheels de base. Mais par contre, ça provide forcément du coup beaucoup plus de. Ouais, tu peux les colorer et tout. Putain, trop bien ça. Trop stylé. Trop stylé, trop stylé. Ok. En fait, récemment, ouais, ça tourne deux fois moins vite que les roues normales. Hein, normal, hein, mais par contre, le couple est beaucoup plus important. Ce qui, du coup, est quand même assez intéressant. C'est derrière, tu augmentes la vitesse, tu te retrouveras quand même un. Ok. Bon. Et ben en vrai, on va partir faire une petite volte des familles, je pense. Hein. Faudrait toujours que je chope du coup nouveau pantalon, nouveau casque. Hein. J'ai testé de m'en crafter un petit peu hier. Le problème, c'est que pour l'instant, c'était que du stuff crappy que j'avais. Et si jamais je regarde les leggings, bah, c'est que des bas level en fait. Hein, donc c'est de la merde. Hein. Et pareil pour les helmets, ça monte pas au-dessus du niveau 20, 22 peut-être, un truc comme ça. Donc bon, en tout cas, on a des bottes déjà ici qui sont rares, qu'on ouvrira évidemment juste après. Et sinon, bon, Chromatic Steel, ça j'ai pas acheté. Fais voir en reroll, qu'est-ce qu'on a? On a un magnète, hein. Pourrait être intéressant à acheter un magnète, hein. Mais sinon, on peut le réparer, qu'il est quand même bien celui-là. Il est niveau combien celui-ci? Niveau 36. Ah, est-ce que j'ai envie d'acheter un magnète niveau 43? Peut-être attendre de faire une volte ou deux et peut-être prendre un level. Parce qu'en vrai, en cette level, t'as pas grande différence. Ça va juste me niquer des shards, hein. J'ai pas grand intérêt à le faire. Non. Ok. On va passer la nuit, puis on va y aller. On va y aller, on va y aller. Pouille, pouille. Ça c'est bon. Bloum. Et tout ce qu'il faut, on a des blocs, on a une épée. Bon, de toute façon, l'épée avant caca, c'est avec ses 4 milliards de durabilité, c'est bon. C'est Thibaut, quand ça va. Et le reste, à un moment, j'ai fait. Ouais, je suis vidé. Ok. Ah putain, j'avais dit que je devais faire un scavenger unforcé. Oh, tant pis. Bon, bah, ça sera un élixir le premier. Tant pis, tant pis. Je voulais forcer en fait un scavenger hunt en vol, bah on le forcera sur une level 40 plus du coup. Parce que ma mission me demande de récupérer les trucs, en fait ma bounty me demande de récupérer les trucs dans les scavengers. Hein. Et si là, et du coup c'est pas dans un élixir run à la con que je vais retrouver, mais c'est pas grave. En vrai on va le torcher assez rapidement. Limite on va faire en sorte de le compléter le plus vite possible et une fois que c'est complété on sort, on termine le truc et puis on n'en parle plus quoi. Élixir rush ça doit se faire assez rapidement quand même, ça va. Pour le pire truc à faire. Et ça va nickel du coup, ça va nickel hein. Hop hein. Dernier petit live là chez les parents avant de rentrer chez moi. Prendra l'avion de tout à l'heure là. Hop. C'est bon. Attends, c'est bon, on a déjà complété une bonne partie de la barre de l'élixir là. Ah oui non, ok. Ouais, on a quand même fait. En vrai on a quasiment rien fouillé, on a fait un bon 10-15%. Hein. On n'est pas sur une run très compliquée à compléter, j'ai l'impression. On a vraiment rien récup en bas. Hein. Il y avait juste trois pauvres coffres, un wooden qui se battait. Hop. On va essayer de pas tomber. En vrai, la boule de feu, elle manque un tout petit peu d'un tout petit rayon d'action en plus, quoi, je trouve. Genre son radius d'explosion il est un poil petit. C'est du coup quand t'as des gros packs de mobs t'es pas sûr de tout tuer.
Mais en même temps, ça serait un poil cheaté sinon, donc d'un côté, c'est compréhensible quoi. Nick! C'est toujours les living chests hein, qui s'entrapent, hein. C'est un enfer ça. Hein. Ils peuvent pas mettre les potions de poison sur des vieux wooden tout clacos là. On a rien à foutre. Y'a une gemme là-dedans? Non. Ah, c'est vraiment tout le temps généré comme ça ces structures. Je me fais toujours bait à chaque fois. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit filon de gemme à l'intérieur, mais non, non. C'est juste un de Volt of Stone quoi. Ok. Bon bah ça c'est bon. On va partir au sud. Les premières salles, on s'est fait, ouais, on s'est fait un bon petit quart quoi. Alors qu'il y avait vraiment rien de... Ah merde, putain, mais je suis con, c'est logique. J'ai pas vu la boussole. On va partir au nord du coup. Je dois déjà terminer la volte. Hein. Attends, on a tous quasiment le même level dans le tab. Hein. Marrant. Alors, bon, ce qu'on va faire du coup. Que je vais pointer ici. Voilà! Ah, j'ai modifié en fait le point où ma waystone va pointer. Comme ça, ça m'indiquera forcément en fait la lodestone pour sortir quoi. Bon, à moins d'avoir encore une autre lodestone, mais. Auquel cas, je remodifierai le point encore. C'est quand même bien pratique. Hein. Ok. Putain, c'est con que ce soit pas un scavenger hunt parce que pour ma quête il me faut que des wooden chests. Et pour le coup c'est pas ce qui manque. Oh putain Ashtox. Ils ont fait la fameuse truc avec le x5. Alors ils ont quoi? Ils ont 80% de volt or en plus, 150% de living chest en plus, des mobs de mage, du guilded chest, 40% HP mob en plus. Des wild spawn, ok. Ornate, item quantity, item rarity, mob speed. En vrai ils ont pas eu tant de trucs merdiques que ça. Bon, 40% HP et 30% de dégâts en plus sur les mobs, c'est ok en vrai, hein. Avec la speed. Hein. Faudrait que je le teste ce truc là aussi. Moi aussi j'ai un. Ah non, je l'ai pas le Chaos Modifier, tu me diras, je l'ai pas. J'étais en mode moi aussi. Merde, j'étais en mode moi aussi j'en ai un, mais non, non je l'ai pas acheté, j'ai pas la thune. J'y ai pour la thune. Bonjour. Non, c'est pas nous les autres d'ailleurs. C'est vrai que les soul shards j'en ai pas tant que ça. Bon après eux ils sont deux donc forcément ils ont deux fois plus vu qu'ils exportent plus. Hein. Ils ont peut-être pas acheté beaucoup de choses au black market et qu'ils sont économisés pour ça. Mais en vrai je pense qu'il faudrait les forcer en elixir rush ce genre de truc. Hein. Parce qu'au moins t'es sûr de pouvoir profiter de la vault et de la terminer à la fin quoi. Parce qu'en scavenger le truc c'est que ça peut vite être le bordel si t'as pas les bons coffres. Hein. Surtout si t'as des affixes qui font que tu vas tomber sur beaucoup plus de tel ou tel coffre que d'autres. Hein. Donc on a une wand et de la bite. Et c'est vrai qu'on a que du stuff niveau 39 parce que vu que j'ai fait la volte avant. Ouais c'était pas dingue ça en vrai. Vu que c'est des cristaux niveau 39 là c'est pas foufou. Je sais plus, d'abord on est allé ou pas? Non. Hop. Bon, on a la moitié de la barre d'élixir remplie. Voilà. Et du coup on pourra continuer au nord. Je crois en bas j'ai fait hein. Moi j'ai un doute. Wait. Ouais si en bas j'ai fait, ok. C'est marrant, ils sont que niveau 43 Rashtox et les Relo et ils sont vachement avancés dans les modes. Hein. Après je pense qu'ils ont pas du tout pris tout ce qui était un peu backpack ou quoi. Après ouais tu... Sinon c'est vrai que vu qu'ils sont deux, ils partagent les recherches aussi mais. Mais là ils ont quoi? Ils ont create, ils ont term... En fait rien qu'avoir create et mechanism, hein, ça coûte déjà une vingtaine de points quoi. Et ça pour deux coffres. Hein. Quel bonheur. Puis ils ont refined storage, ils ont power. Ils doivent avoir quand même 2-3 trucs pour les backpacks ou autre. M'étonnerait qu'ils aient rien. Quoique. Mais j'ai pas de reach. Hein. Faudrait que sur mon magnet j'arrive à choper de la reach aussi. Manic Suite c'est bien mais. Ils ont surtout Create qui fait lag avec leur giga machine. Ah ouais?
Mais j'ai vu, bah en fait, j'ai vu l'ascenseur là qu'ils ont, par contre, il est beaucoup trop stylé hein, pour descendre. Je regardais Redtox tout à l'heure, vite fait là. Il est beaucoup beaucoup trop stylé l'ascenseur. Attends, y a un coffre au-dessus, non? Y'a que ça? C'est quoi cette connerie? Oh, des gemmes! Let's go! Tu. Salut Tasse, comment ça va? Ouais, est-ce qu'on va choper des éco-gemmes? En vrai, il m'en faudrait. Hein. En fait, c'est trop chiant parce que. Il en faut vraiment la blinde d'éco-gemmes. Hein. Et je vous avoue que le fait de m'en être fait voler 4 la dernière fois, ça m'a pas aidé quoi. Ça m'emmerde un petit peu quoi pour le diem. Hein. Parce que c'est clairement pas un bug du mode. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui nous a chourave. Mais bon. En fait, Simple Story Network est buggé. Tu peux perdre des ressources, mais tu peux les perdre quand tu les déposes. En fait, si tu déposes tes ressources sur un lag, les ressources peuvent disparaître. Mais quand tes ressources sont déjà posées, qu'elles sont déjà dans un inventaire, dans un coffre, et que là, elles disparaissent après, c'est pas le problème du mode. C'est quelqu'un qui a dû les prendre. Et c'est vrai que vu que j'ai perdu une perfect éco-gemme et 8 fragments de clé, ce qui est pile poil ce qu'il faut pour une quête, hein, évidemment. Pour la quête qui te demande de faire une clé. C'est quand même un peu suspicieux quoi. Puis c'est vraiment les deux seules ressources que j'ai perdues en fait surtout. Donc par hasard de ressources très très rares quoi. Que je vais mettre en... Bah, en vrai 2 semaines à retrouver. Hein, globalement. Et du coup je suis bloqué dans mes quêtes parce que j'ai plus mes fragments de clé. Et du coup je peux pas ouvrir de donjon si j'en croise. Faut check qui a fait la quête. Ouais. Ouais c'est quelqu'un qui a ce coup qui a pris, il a même pas fait la quête. Hein. Peut-être qu'il voulait juste des clés. Hein. Et peut-être qu'il a pris les Perfect Gems pour faire autre chose. Parce que par exemple j'ai la Perfect Eco Gem là. Il t'en faut pour faire la crafting grid d'Applied, enfin de Refined Storage, hein, par exemple. Il n'y a pas 40 personnes sur le serveur qui ont fait une crafting grid de Refined Storage. Mais bon, après, encore, enfin comme dit, en vrai, hein, c'est pas grave. Hein, on me prend la tête pour une ressource. J'en trouverai d'autres. Hein. Mais c'est juste un peu con, quoi. En fait, surtout que c'est un peu con de pas pouvoir faire forcément confiance aux gens quand t'es sur un serveur privé comme ça, quoi. Parce que moi, donner des ressources et quelqu'un me demande, y a pas de soucis. Hein. Moi, je me sois tous les jours, tu vois. Ou alors, si tu vas prendre une. En fait, puis ça dépend des ressources que tu vas prendre aussi, tu vois. Je sais qu'au début de la partie, je suis allé Shura, Varayux, 3 minerais, tu vois. Je lui ai volé 3 minerais de fer, quoi. 3 minerais de fer, bon, quand la personne en a 3 stacks dans son coffre, hein, c'est pas trop dérangeant, quoi. Mais récupérer des items qui font partie des items les plus rares du jeu. Quand la personne en a genre 8 dans son coffre, en prendre la moitié, ça fait un peu beaucoup. Il y a un truc là-haut? Oh ouais. Là, tu peux en avoir dans Black Market. Hein. Ouais, je sais que je peux en avoir dans Black Market, mais ça coûte cher, tu vois. Après, là, par exemple, la quête que j'ai me donne 2 éco-gemmes en récompense. Donc bon. Puis hier, j'ai réussi à en miner 4 des éco-gemmes, donc ça va, mais. Le truc, c'est que par exemple, tu veux faire mécanisme, tu veux un Atomic Alloy, tu sers à faire la plupart des crafts de mécanisme, il te faut une éco-gemme, tu vois. Donc c'est. En vrai, ça part très 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 vite après, quoi. Puis en fait, ce qui me fait surtout chier aussi, c'est les fragments de clé, parce que j'aimerais bien en fait pouvoir tester un jour justement les donjons avec les fragments de clé, quoi. Enfin, avec les clés, je veux dire. Là, j'avais quasiment de quoi me faire. Enfin, j'avais déjà de quoi me faire une clé entière et la moitié d'une deuxième. Hein. Bah, du coup, j'ai que la moitié de la deuxième là. Y'a pas de la première. Ça fait des coffres là-bas. Ah, ouais. Ouais, vas-y, on partir un petit peu à l'est. Et après, on va redescendre au sud. Hein. On n'a pas recroisé de Lodestone depuis la première. C'est vrai que je l'ai marqué à la Waystone parce que.
N'a pas la blinde de chance pour l'instant. Miaou. Jure? Oh mais genre, ils sont tous paquets, t'en as 3 qui prennent la boule de feu quoi. C'est con que le Swooping Edge fasse vraiment 0 de dégâts, pour le coup. Mais je pense en fait, ouais, le Swooping Edge, je pense qu'il fait vraiment 0 de dégâts parce que c'est un. Je sais plus, c'est une suffixe ou un préfixe que tu peux avoir sur ton arme qui t'augmente tes dégâts de Swooping Edge. Je crois que Blazon il a ça sur son épée. Mais c'est vrai que quand tu l'as pas, c'est plus chiant qu'autre chose limite. Hein, parce que les mobs autour ils vont se faire KB et ils vont prendre genre 1 de dégâts. Et tu veux pas renchaîner avec un coup derrière du coup. Bon. En vrai j'avais dit que je faisais juste l'objectif et que j'en sortais directement. On va faire ça. Hein. On va venir dans la salle d'avant. Hein. On va pas se prendre. Bah. Soir d'où lui? On va pas se prendre la tête. Hein. Comme dit, il faut les scavenger hunt et c'est vrai que j'ai oublié de faire le. De forcer l'objectif donc. On va sortir, on va refaire une vault. Hein. Puis là en plus on est dans les vaults où le stuff encore level 39. C'était un cristal que j'avais crafté un petit moment donc. Ça reste un peu moins intéressant. Je sais juste pas si en sortant dès maintenant je vais réussir à level up 44. Hein. Là j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Hein. Parce que j'ai pas fouillé grand chose encore. Hein. Donc je vais voir quand même si je peux pas récupérer un petit chest ou deux sur le chemin. J'aurais bien aimé rechoper du living chest là. On en a eu qu'un ou deux depuis le début. Y'a quoi là-haut là? Y'a des trucs là-haut? La pile de thunes encore! Hein. Et du pognon! Faudrait boost la vault en or plus rarity. Ouais, mais c'est un peu random ça, non? Parce que les modifiers, en fait, quand tu fais les catalystes là, je crois. Je sais pas si tu peux voir à l'avance vraiment ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un truc pour te le révéler, mais j'avais pas l'air de l'avoir. Je sais pas où il a spawn le mob par contre. À moins d'acheter directement en fait tes catalystes au black market. Où là tu vois ce qu'ils vont te faire. Sinon je sais pas. Ouais. Oh non! Oh le focus tombé dans la larve. C'est couillon ça. Parce que j'avais déjà crafté en fait justement des catalystes là pour modifier un peu les volts. Hein. Et c'est vrai que sur le catalyst en lui-même, ça te mettait juste en fait random négatif modifier et random positif modifier, tu vois. Et ça t'affichait pas à l'avance ce que ça allait faire. Hop, bon vas-y, on va sortir. Hein. On va se refaire une volt propre. Hein. Enfin, propre, je vous comprends. Normalement la lodestone est juste dans la salle là. Voilà. Au pire si on level up pas 44 c'est pas grave je prends un burger. Au pire. Bon ça à moins ça me fera un petit level en plus, ça me fera du meilleur stuff dans la vault. Hein. Après entre niveau 43 et 44 y'a pas une grande différence. Hein. Je sais même pas s'il y a de différence d'ailleurs, je crois que c'est même pas lié. Loading terrain. Oh ça va 15 KXP en vrai quand même, hein. Dis donc. Pour avoir littéralement rien farm dedans. Et c'était pas une double XP en plus, hein, donc. C'est une vault classique. Ok. Ah, puis on s'est chopé un petit Reaper Core, donc. Stonks. Stonks, stonks, stonks. On avait joué l'éclaté comme à chaque fois à la fin des trucs, là. Ça, ça change pas. Ouais, mais en fait, la Retox, tout ce qu'ils ont là, ça, c'est parce qu'ils ont mis un chaos en fait dans les catalystes, là, comme ça, que tu peux acheter. Tu vois, moi j'ai acheté par exemple, tu vois, j'ai un truc là, j'ai 25% de wooden chest en plus, et là, j'ai 25% de wooden chest en plus. Ça, à la rigueur, tu le prends en fonction de tes quêtes ou quoi. Mais en fait, de temps en temps, dans le black market, hein, tu peux avoir un truc genre à 30 000 shards, là. Et. Qu'est-ce qu'il y avait, l'araignée, là? Et en fait, ça te met 30 trucs random. Et c'est ce qu'ils ont fait, là, sur leur cristal. C'est pas eux qui ont choisi d'avoir ça, en fait, hein, c'était random.
Et ça s'appelle les Chaos Modifiers, un truc dans le genre, je crois. Je sais pas si on peut le voir ici, le Chaos. Ouais, si. C'est ça. Enfin, c'est Chaos Vol Crystal, tu vois. Et ça, tu peux l'acheter justement du coup Black Market. Hein. Et ça fait qu'en fait, si tu mets sur ton cristal de Volt, hein, t'as 30 random positifs et négatifs. Hein. C'est pas 32 chaque, hein, parce que là, quand on regarde, il y en a. Ça, c'est positif, ça fait 10, 12, 17, 22, 24. Ils ont quand même eu 24 bons trucs, quoi. Ils avaient un peu plus que 30, du coup, non? Ou alors, il y a peut-être pas toute la place. Attends, parce que là, il y en a 5, 11, 14, 16, 20, 22, 27, 28, 33. Ah, ils ont peut-être mis des trucs encore en plus, je pense. 35, 37. Ouais, ils ont mis des trucs encore en plus par-dessus, je pense. Ils sont à 37 au total. Alors, Scavenger. Scavenger, c'est quoi qu'il faut? La Volt Essence. Il faut un diamant. Les Volt Diamond. Là. Il faut de la mythe. Plus c'est cette mythe-là qu'il faut. Bon, je sais pas, dans le doute, on va en refaire. Et il faut évidemment la Blank Seal au milieu. Perfect. Alors, voilà. Je voulais jouer après. On va dire combiner ça, comme ça c'est fait. Quel? Je voulais un prochain rock. Qu'est-ce qu'il me propose là? Qu'est-ce qu'il me propose le bourrin? Ok, bon, pas de Lucky Altar, mais ça, c'est des ressources pas trop chiantes. Colorant, ça va, les graines, ça va. Le basalte, je suis pas sûr d'en avoir assez. Oh, il m'en faut 72, j'en ai 72, c'est ça? Non. Ça serait insane. S'il y a deux comptes, ça serait insane. Hein. Ah. Bon, bah le smooth, il compte pas. le smooth, ça marche fort. Faudrait que j'aille en chercher, bon, tant pis. Bon, on a déjà un cristal, donc c'est déjà bien. Donc, faudra sûrement qu'on répare le stuff après entre deux. Ah, bah d'ailleurs, faut aussi que je vide mon stuff. Tant qu'à faire. Même si je peux tanker 2-3 volts, hein, facile avant de tout vider. On sait jamais sur quoi on tombe. On tombe sur un donjon qui est rempli de trucs. En vrai, un petit donjon avec des living chests, moi je serais pas contre. Hein. Je serais pas contre. Hein. Tac, on va récupérer des blocs. Et puis bon, on est parti. Hein. On est parti. Boum. Ouais, je vais mettre un petit point. Je pense que je vais le mettre dans le dash encore. Voilà, dash level max, on s'en parle plus. Et c'est quoi les dash qu'on a là? Ah, donc ça c'est pour avoir des dégâts, et vraiment ta distance est réduite. Hein. Et ça c'est pour soit de position avec un mob ou un truc ou quoi. Ouais, c'est un peu spécial. Non, on va garder le dash normal. Hein. T'as gardé le truc normal là, ça a l'air un peu tordu du cul quand même les spécialisations. Alors, Devolt. Hein? Ah putain, je me dis, attends, comment ça y a un mur devant? Déjà, il faut des living chests, il faut deux trucs rares dans les living chests, bah FF hein. Il faut la pile de thunes, il faut les mobs, il faut les runes. Putain, on a eu les pires trucs, même pas dans les woodens. Sachant que c'est les woodens qu'il faut pour ma quête, hein, donc j'ai envie de dire nique, je vais fouiller des woodens. Je suis venu avant tout pour la quête aussi. Même pas déconner, ah bah ok, le premier coffre que tu fouilles, il s'entrape. Ça y a là. Meurs. Oh, du living chest dès le début là? Mais non. Oh bah des runes aussi, enfin des gemmes. Tonks. Ah, c'est de la black opale, putain, je croyais que c'était des éco-gemmes. Oh, onde de gemmes unique, ça rien. Ah, j'ai tous les trucs rares en fait, des gemmes. Mais évidemment, j'ai pas eu des trucs communs qu'il me fallait quoi. Ça est toujours comme ça quoi. Bon, il ne faut pas les trucs rares, t'arrives pas, tu les as et quand il les faut, tu les as pas. Blablabla. Ouais, 4 living chests quand même dans le tas là. 5? Il me faut quoi? Il me faut des zombies armes dedans? J'en ai pas eu. Ça y est là. J'ai eu tous les trucs sauf s'il me fallait. Bon, après, on est au début de la volte, hein, pas se plaindre. Non, non, non!
Oh, il m'a pété mes trucs de thunes. Par contre, les mobs sont plus vénères dans les vols 40 plus là, hein, dis donc. C'est vrai que c'est ma première volte au-dessus du level 40. Ils sont un poil plus tanky les bougres. Hein. Ok, donc ça on a fait, on va pouvoir remonter. Youhou! Bah y'a rien. On va à la droite. Ça pue ça non? Attends, c'est quoi là-dedans? Ah ok, c'est des coffres. C'est une entrée de donjon, un truc comme ça. Ah ouais, ils sont bien plus tankis, hein, parce que... Ah, je sais pas. Je sais pas s'ils ont plus d'HP. J'arrive pas à savoir. Merde. Et pas avoir un Serious Scavenger d'ailleurs. Si, mais en fait, il y a tellement... Enfin, c'est pas qu'il y a tellement peu d'items, mais c'est qu'en vrai, bah, tout tient dans mon inventaire. Et vu que maintenant, j'ai tous les autres backpacks... Ouais, non, je sais pas. Oh, le plan cul. En vrai, le creeper, ça m'arrangerait si tu peux exploser. Qu'est-ce qu'il y a droppé? Une wand encore! Ouais, comme d'hab, hein! Histoire de changer, hein! Les boss, ils droppent que des wands! Peut-être rôle magicien un jour, hein! Mais en fait, ouais, non, vu que j'ai un backpack qui est entièrement vide, bon, c'est là-dedans que je mets Scavenger Inteb, et comme ça, je les trie dans l'ordre que je veux en fonction de ce qu'il me faut. Ça limite plus pratique en fait. Et ben on part au nord, vu qu'on vient encore une fois du sud. Très bien. Par contre, on a vraiment que de chiens. On a que de chiens. Ah si, j'en ai un de ça, donc pour l'instant il me faut ceux de là. Et c'est tout. Les autres, j'ai pas. Ok. C'est Balek, comment vas-tu? Putain, mais où c'est qu'on descend? Et quoi cette volte planfion là? Horrible comment c'est généré ce truc. Je les aime pas ces mini zombies. Alors la thune, ok on a encore un truc, parfait. Bon ok on a déjà... En fait la thune c'est déjà bon, on peut arrêter de la prendre. Attends, on a eu 3 trucs épiques sur la thune alors qu'on a fait 3 filons de thune. Hein. Là on a été vraiment chanceux là dessus. Non mais oh, le squelette qui me le bute. Oh c'est pas gentil ça. C'est pas fair play. Ouais ils ont 300 HP maintenant aussi non. Ça commence à être quelque chose hein. Ça commence à être quelque chose les mobs. Et là-bas on a du wooden. Bon, on va quand même le prendre comme dit c'est pour ma quête donc Pour info il y a exactement un pool d'items de scavenger 3 lignes de 9. Ouais mais je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Hein. Je l'ai pas trouvé. Bon, je l'ai pas vraiment cherché, mais je l'ai pas trouvé non plus. Oh, living chest, living chest, living chest, living chest. Aïe. Un peu chiant le coup qui me met à la fin, parce que du coup ça me remet plus full HP et je reviens moins vite le mana. Un peu con. Ok, donc ça il nous le faut aussi. En vrai, on avance bien sur ce qu'il nous faut. Malgré le fait qu'on fouille pas forcément les trucs qu'on devrait. Oh encore du Lornite. Oh damn. Oh, attends, on va déposer tout ça. Hop. Voilà. Ah bah tiens. Oh attends, on videra plus tard. Je vais quand même mettre ma... J'allais dire mettre ma boussole dessus, en vrai oui non, parce que j'ai quand même pas envie de perdre de là où je viens. Oh Black Opal. Tonks. Moi j'ai déjà déposé un peu ce qu'il me faut. Hein. Ça il m'en faut. Ça il m'en faut. Ça il m'en faut. Ça il m'en faut. Ah, il manque quasiment rien, il manque mob, rune. Et enfin rune, j'aime. Très bien. Et il faut du living chest aussi. À 19 minutes on a quasiment complété la volte. Hein. Putain, j'étais persuadé que c'était toi aussi, Valek, qu'on avait parlé hier. Hier ou je sais plus quand, mais. Il y a des petits lag spikes par moment, hein. Je sais pas à quoi c'est dû, mais.
Tu vois, quand ça arrive en Volt, c'est un peu la gueule, quoi. Bonjour! Ah, mais vous êtes deux à avoir les boss là! Ouais, bah ça va les mecs, hein, je joue des. Non, mais. Ah, ouais, il passe à travers la boule de feu, je te dirais rien. Ils sont deux ou ils sont trois à être boss? Non, ils sont deux, hein. C'est quoi ce spawn du cul là? Ils viennent d'où, hein? Merde. Ah, ils viennent de ça. Deux pauvres trucs en bois, tout pourris. Et t'as deux mecs à 800 HP qui sortent de là, quoi. Ah bah pourquoi pas, hein. Vas-y, récupère ça, toi. Au prochain épée, je vous le dis, je reprends Shining Attack, hein. Prochain épée, il me refaut un truc à WoW, là, parce que ça va pas, hein. T'as Exen, comment ça va? Ou alors il me faut du Lucky Hit et je me spécialise dans le Lucky Hit qui me vole du mana ou un truc comme ça, mais. Bonjour. Et encore! Bah attends-toi, pète, hein. Merci. Mais il me tabasse la gueule, hein. En fait, ils sont beaucoup trop tanky quand ils sont en boss, hein. Ouais, pas me plaindre, hein, ça me fait du stuff. Hein. Ça me fait du stuff. Hein. Surtout quand tu vois le niveau de mon stuff, je serais bien content de le changer. Ding. Ah, je croyais que c'était un living chest qui avait au milieu, mais non, c'était des petites plantes accrochées. Tu fais bien bait, hein. Ouais, les squelettes ils tabassent aussi, non? Quelque chose, hein. Memory page, on est comment? On est qu'à 8, hein. Ok. Oh fuck, c'est du sap ça. Mais qu'est-ce que je fous avec du sap dans la main? Voilà. Alors, bon, on va continuer au nord. Il y avait un altar dans cette pièce. C'est vrai qu'en fait avoir les items c'est bien, hein, mais après faut se souvenir aussi où sont les altars. Hein. Faut se souvenir où ils sont. La dernière fois j'ai pas pu compléter ma Scavenger Hunt parce que justement j'avais plus d'altars à disposition. Oh living. Ouais. Un living chest. Non, ok, ah oui non, il y a en dessous. J'allais dire un living chest tout seul, je pense pas avoir l'item dedans. Après si on a plusieurs, ça peut se négocier. Ouais! On a le bras, parfait. Bon, je continue à prendre les livings évidemment parce que ça reste quand même très intéressant comme coffre. Et maintenant, faut se focus sur la recherche d'un spot de gemme. Et continue à prendre du wooden chest pour la quête. Hein. Je pense pas qu'en une scavenger hunt, là on arrive à faire le truc, mais. Bah, peut-être une deuxième volt pour compléter la quête. Hein. Ah bah t'es là toi. Ah, malheureusement j'ai pas fini. Mais il sortait d'où, j'ai mis dans le dos? Par contre, il m'a mis un coup le zombard, j'ai même pas perdu d'HP. Comme quoi, maintenant les mobs classiques. Vraiment, c'est peanut, hein. Fatigué, pas encore dodo, mais je pense que je vais me reposer devant le stream et décider de sommeil, Raoult. Aïe, ça pique ça. Ça pique, ça pique. Oh, c'est quoi là-bas? Des creepers? Ah bah oui, oh mais je suis trop con. Un cristal qui régène les HP, qu'est-ce que je fais? Je me heal avant de le prendre, quoi. Bon, après je me souvenais plus qui était ça le cristal, mais c'est vrai que c'était quand même pas le meilleur plan non plus, quoi.
problème d'inventaire. Par contre, c'est vrai que maintenant les mod box, c'est trop trop bien parce que vu que dedans on peut avoir des disquettes de refine, hein, faut content quand on a quoi. Pas des coffres planqués derrière tout ça? Si. Et là-haut, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ok. Bon, un petit donjon caché. Ornate, Cone Affinity, 7 de mining speed! Oh, elle est clean celle-là. Elle a un size un poil gros, un poil élevé. Mais honnêtement. Ornate en plus, j'avais pas vraiment de gemme Ornate qui était sympa, je crois, je sais plus. Donc si ça se combine avec Coin et qu'en plus ça donne pas mal de mining speed. Après, le mining speed, t'en veux. Ouais, si, t'en veux quand même un petit peu. Hein. Je vais dire, t'en veux pas tant que ça, mais si, si, si. C'est plus sur la pioche que j'en veux plus trop, mais. Level 50, tout doom. Level 50, XP va venir. Hein. On n'est pas encore level 50. J'aimerais bien être level 50 de Volt. Hein. Avoir des nouveaux outils encore plus puissants avec encore plus de slots de gemmes dessus. Ouh, des divines. Par contre, il va falloir que je commence à me bouger. Hein. Limite, il faudra que j'explore full salle là pour essayer d'avoir des trucs de gemmes parce que. C'est quand même dingue parce qu'on en a eu quand même plusieurs dans le spot de gemmes. Hein. Et j'ai eu tous les trucs qu'il fallait des gemmes sauf ceux dont j'ai besoin pour ma Volt. Pour mon objectif. Quand même pas eu trop de chance là-dessus. Bon, restez en bas les potes, hein. Je prends les coffres, hein. Tiens, on a 18 sur 21. On va quand même se terminer cette quête là, faut pas déconner. Ok, 19. Oh bah, il en reste un dans le tas. Voilà. Tu. Ok, on a encore un altar ici. On a quasiment un par salle là, ça va. On est chanceux. Ok, 20. 20. Putain, il est encore à 20. Fuck. Après, il y a que des wooden chests qui nous entourent là, donc ça doit aller. Ok, 4 finis. Wooden chest, on arrête de les prendre. Tu me diras les mod box, c'est dans les wooden? Ouais, c'est dans les wooden chest. Ouais, bon. Bon, je vais les prendre si vraiment ils sont full paquet comme là, mais sinon, nique. Hein. On va encore faire une salle devant. 10 minutes pour trouver une zone avec des gemmes. On devrait le faire? Elle devrait le faire. Hein. Ouais, du Gilded là-haut. Youhou! Du Gilded et du Living. Hein. Ours. Oh putain, ça c'est chiant ça. Ok. Oh non. Toujours les Living sont trap là. Toujours les coffres cool qui sont trap, hein. Fais chier. On a des gemmes en bas. On a un altar! Hein. Bien ça. Et prends ma vie. Oh, fais peur le con. Je l'ai entendu arriver en plus. Hein. Mais j'ai quand même eu peur. Bon, on a du wooden un peu paquet là. Oh dame! Oh bah elle avait l'air stonks la Volt! Hein. Elle avait l'air d'avoir du loot! Hein. J'aurais bien moqué ça à la fin de la mienne. Qu'est-ce que je fouille ça? Je dis qu'il me faut des gemmes, mais je fouille des vieux trucs de merde. Là. On va se barrer d'ici. En vrai, on va aller à l'est. On va aller à l'est, on va revenir full sud. Comme ça, au pire, on se rapproche du portail d'où on est rentré. Mais j'aimerais bien comme la terminer cette Volt, c'est con. On a réussi à faire la quête, il manque vraiment rien, il manque juste des gemmes en fait quoi. Un peu plus chiant à trouver les gemmes, c'est vraiment random. Hein. J'ai vu des rails c'est qu'il y a des gemmes, non? Ou rien à voir. Il y avait même pas de rails en fait, très bien. Pour l'ornate je prends parce que c'est du stuff. Faut pas déconner.
qu'est-ce qu'il veut lui là? Après, attends, il y avait quoi de planqué dans le mini donjon là? Roi du living. On va le chercher hein. Bon, y'a pas de jam ici. Sortir. En fait, je sais pas si je cherche vraiment une salle spécifique avec que des gemmes. Hein. Ou si je force quand même à fouiller un peu chaque salle et perdre une minute. Faut juste trouver un petit filon comme j'ai trouvé dans les salles précédentes, quoi. Mais... Parce que les salles avec que des gemmes, c'est rare, mais en même temps, bon. Oh, on a une inscription Wild West. Ok. Soit c'est le type de biome où on est là. Oh, des rouges, moi! Alors peut-être. Bah, faudra trouver le. Ah, mais attends, j'ai deux gemmes. Qu'est-ce que je trouve un truc là-dedans? Putain, mais oui, mais y'a que dalle! Oh! Ok, ça va, c'est une salle à gemmes. Putain, la chatte. Ah non, parce que le filon était quand même dégueulasse. Hein. Il était exécrable, le filon. Voilà, ce qu'il faut. J'ai quand même la fouille de bout en comble parce que. Jamais une petite éco-gemme. Hein. J'aurais un malentendu. La me gemme dont je me suis fait voler là, si je pouvais en retrouver, ce serait bien. C'est la shell. Bon, on va. C'est où, Nex? On t'a dit vous. Y'en a qu'un de la gemelle, c'est cool. Au pire, ça fera du pog. Pas m'éterniser trop longtemps non plus, parce que comme dit, quand même que je trouve un altar derrière. Oh. Comment ça voler? Bah, t'avais des ressources dans mon stockage. Puis vient un jour où, je voulais crafter quelque chose. Et ces dites ressources n'étaient plus présentes. Ah bah tiens, il y en a encore des cogemins. Alors ça va, le jeu a pitié de moi. Le jeu s'est dit, il y a des voleurs sur le serveur. Régale-toi frérot. Et non, ce n'est pas un bug. Encore une fois, de Simple Storage Network, c'est le bug. En fait, Simple Storage Network, tu peux avoir un bug de temps en temps en déposant des ressources. J'imagine si tu le fais en même temps qu'il y a un gros lag ou un truc comme ça, etc. Ça peut très bien dépop. Hein. Mais là, les ressources étaient déjà déposées. C'était présent dans mes coffres. Et du jour au lendemain, ils n'y sont plus. Donc, étonnamment, c'est des ressources qui sont très importantes, qui servent à crafter des choses qui ont été craftées par d'autres. Hein. Et qui sont très très rares comme ressources aussi. Et qui servent pour une quête. Bon, parfait. J'aurais peut-être pas dû ouvrir ça ici. Par contre, ta petite épée là. Je te hang ça. On a eu combien d'éco-gemmes? 6. Ah ouais. Ah y'a là. Ça y'a là, ça y'a là. 40 knowledge essence aussi, c'est pas mal. Oui, la bounty, elle est récupérée. Ah oui, donc là, la vault plus la bounty, ça nous fait 8 éco-gemmes. En une run. Stonks. En vrai... En vrai, giga stonks. Hein. Non, non, mais les runes, franchement, c'est pour ça, hein, dès que j'en croise. Parce que là, j'aurais pu très bien me dire... Hein. Bah écoute, j'ai fini la vault, j'ai ce qu'il faut, je vais pas miner les autres gemmes et puis partir, tu vois. Et Mais j'aurais jamais eu cette éco-gemme, du coup, quoi. Avec Applied, il y a une station de sécurité, mais je crois qu'avec Refine aussi. En fait, Applied, je veux le prendre pour la fin. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra que je l'achète, mais je préfère le faire à la fin quand j'aurai beaucoup plus de ressources pour tout automatiser.
Là, pour l'Orly, Refine est quand même plus accessible et beaucoup moins cher. Ah putain, c'est avec les gemmes, faut pas que je les mette là-dedans. Les gemmes rares. Bien vu. Voyez, elle a toutes les ressources, je les ai déposées dedans. Il n'y en a aucune qui a des pop, hein. Donc, Par contre, j'ai pas de Mystery Egg sur la run, hein. Très bien. Voilà. Les autres gemmes, c'est pas des gemmes rares, donc je vais foutre dedans, pas de soucis. La mail a déjà installé? Ah non, mais le début le début d'Applied, c'est ok, hein. Le début d'Applied, c'est ok. J'aime plus comment ça s'appelle, le début d'Applied, d'ailleurs. Après, bon, c'est ok, si tu veux déjà le crafting terminal, ça coûte cher. Mais ça coûte aussi cher que les crafting grid de l'autre côté. Moi, ce qui me fait plus peur, après, c'est tous les inscribeurs, etc. En fait, c'est juste que c'est vrai que ça, t'as pas besoin de ça côté refine. Hein. T'as besoin de slime, mais slime, j'en ai autant que je veux, parce que j'ai un marais à côté, donc voilà, quoi. En fait, des deux côtés, la crafting grid coûte un éco-pog. Donc voilà. Donc ça coûte un peu la peau du cul. Et c'est ça que j'ai été volé, hein. C'est ça qu'on m'a chourave. Mais ça sert aussi à faire la clé. Ça sert aussi à faire ça. Et vu qu'on m'a chourave 8 trucs comme ça, je pense que c'est plus pour ça que ça a été tout volé, mais bon. Ouf, ouf, ouf. C'est pareil du coup, ouais. Je vais juste vérifier du coup les 64K, côté Refine et côté Applied, ce que ça coûte. Ouais, c'est le même truc, sauf que. Ouais, ok. Ouais, ça coûte même moins cher ici, parce que du coup, c'est du Vault Diamond que t'as à la place. Par contre, du coup, bon, t'as les crafts autour, c'est les mêmes trucs. Je crois qu'il a goûté les 5 disquettes dans son drive. Bah, moi, c'était pour ça en fait. J'ai pris Refine, mais pour l'instant, je peux pas l'installer, j'ai pas d'énergie encore. Mais du coup, je l'ai quand même déjà pris parce qu'au moins, ça me permet d'avoir des disquettes, tu vois. Et j'ai même eu le drive gratos avec. Donc, ça m'économise comme ça du black chromatique. Stonks, quoi. Stonks, stonks, stonks. J'ai une notif sur ce Discord de mort. Attendez. Ouais, pour une Agi à Pripoa, ouais, c'est ce que je compte faire aussi. Mais il me faut 3 Puntos. J'ai eu dans mon Ender Chest ça? Ouais, mais après, bon, j'ai plus de place. Enfin, s'il faut que je commence vraiment à tout mettre dans l'Ender Chest. Enfin, bon. Là, j'ai envie de dire, si ça bouge. Voilà quoi. Hein. Pue la merde de torse. 14% mana regen, c'est un peu merdique. Je suis pas fan d'avoir du mana flat, hein. Je préfère avoir de l'ability power en vrai. Niveau du rat, il est pas fou. Le shield est. Shield est bof, hein. J'aime bien avoir du taunt sur le shield en fait, hein. Genre au moins en préfixe quoi. Après le bloc champ c'est fort aussi. Hein, ouais. L'ability power c'est rien quand tu peux pas lancer ton ability. Oui mais en fait d'avoir 20, en fait d'avoir 26 de mana en plus ou pas, tu vas juste pouvoir faire un spell de plus dans ta vault, tu vois. Parce qu'après t'es jamais full mana non plus donc bon. La mana regen par contre elle est intéressante. Mais en fait la mana regen je sais pas comment elle marche. Je sais pas sur ce qu'elle scale. Hein. Est-ce qu'elle scale sur ton max mana ou est-ce qu'elle. Parce que juste c'est une stat flat et. Juste t'augmente le pourcentage de cette stat là, tu vois. Ouais, non, en fait, non, c'est pas scale sur ton mana max, tu vois. C'est de base, c'est 1 mana seconde. Et du coup, si tu boostes ça, bah là, je suis à 2,47 mana seconde, tu vois. Et donc, en fait, avoir du mana max en plus, ça change rien. T'as rien qui scale dessus, tu vois. Donc, je préfère avoir une bonne mana regen qu'avoir et de l'ability power, tu vois. Qu'avoir un peu de mana là, comme ça, quoi. Après, sauf si tu veux genre enchaîner 4 spells qui vont coûter 42 mana, là, t'es content d'avoir 200 de mana, du coup, à la place, tu vois. Mais bon. Bon, on va commencer par le stuff tout gris, tout pourri. Me prend ça. Truc bizarre dans ce stockage. Ah bah, tout gris, tout pourri. On a déjà des beaux bébés. On va les garder de côté pour l'instant, on va voir. Le reste, ça va finir au recycleur. Faudrait que je mette un hopper et un chest pour recycler, mais en même temps, ça change rien parce qu'il faudrait short les items automatiquement aussi, donc flemme. T'as dit 100% égale 1 mana seconde, mais est-ce que c'est pas parce que t'as 40, t'as 100, pour, t'as 100 mana max justement?
là, toujours rien. Ça aurait pu, mais apparemment non. Je vais aller rendre la bounty et en prendre une autre avant d'oublier. Je serais capable de relancer une vault là. Je vais faire un petit dodo avant. Non, c'est vraiment une stat qui est flat et qui bouge pas. Enfin, tu peux juste augmenter du coup en fait la vitesse de régène, mais tu peux pas. Enfin, ouais. Le seul moyen en fait d'augmenter ta mana régène, c'est d'avoir des mana régène pourcentage en plus quoi. Et bah du coup, il va falloir qu'on se fasse deux runs élixir par la suite là. Vas-y. Ponks! Hop! Et on a un truc en plus avec du Gilded. Pas forcément besoin de Gilded, mais. Alors on a un point d'expertise aussi d'ailleurs. Est-ce que je remets un marketeur pour avoir plus de reroll? Bof. Expérience, c'est sûr que non. Unbreakable, à voir, peut-être intéressant. L'infuseur, ça peut être sympa. En fait, le marketeur, le truc, c'est que c'est trop fort parce qu'à chaque fois, t'as plus de chances de tomber sur les trucs qui t'intéressent à fond, quoi. Et de tomber sur des éco-gemmes, sur des machins, sur des pogs, etc. Mais l'infuseur, c'est vrai que si tu commences après à jouer au fur et à mesure. Ah oui, putain, il y a l'écho dans l'autre. Mais c'est vrai que, ouais. Mais bon, pour l'instant, je joue pas trop avec, quoi. Ça, je trouve ça sympa parce que c'est vrai que pour l'instant j'arrive pas à augmenter mes affinités. En fait les affinités si t'arrives à les monter à fond, je pense que ça carry de fou. Parce que là pour le coup ça t'augmente toutes tes stats en fait les affinités. Je serais bien tenté d'aller prendre ça. Les bounties, c'est sûr que je les prendrai pas. Je joue pas assez pour que ce soit intéressant d'avoir 40 000 bounties. C'est quoi? C'est un truc qui permet de fly ça? Que dalle en plus. Fameuse plume de phénix à chaque fois qu'on me propose d'acheter et que je refuse tout le temps. Ah là il est stonks par contre son casque ouais. Comparé à ma merde, là y'a rien à dire. Mais du coup pour l'instant je remettrais bien un autre point dans le marketeur en vrai. Le pog! À l'époque, en vrai, m'en fous. Allez, moi, j'achète du stuff. Hein. Moi, le seul truc que je veux, c'est acheter du stuff. Aïe aïe aïe. Après, voilà, je prends des trucs par contre pour pouvoir plus facilement reroll le stuff. Hein. Putain, j'ai eu que ça là? J'ai même pas eu de casque dans le tas, si. Ah, si, j'ai eu un casque pour avant. Sinon, j'ai que des wands. Hein. Casse les couilles. Hein. Ouais, c'est vrai que des bots 45 là, 20 d'ability power, j'aurais moins de mouvement de speed, mais bon. Oh, cette épée elle est pourrie par contre. Elle était à combien l'autre épée? 16? Ah, mais la mienne elle a 21 en fait, flat quoi. Bon, je vais garder la mienne pour l'instant. Hein. J'ai pas envie de roll les stats de base. Trop cher. Je vais les garder de côté quand même, parce que c'est quand même une 44. Mais la plage de dégâts est la même que ce que j'ai là. Ouais. En fait, non, ça change rien. On la virer. J'aurais dû la garder en épée secondaire au pire, mais. Bon, ces bottes-là, je les garde. Hein. Celle-là, c'est de la merde. Ça, c'est une wand, ça dégage.
Les wands, je les garderai bien pour tester plus tard, mais... Ah là, j'ai 15% de mana, lol. Problème, c'est que le casque, il est nul. La jambière, c'est du commun, donc... Les jambières, il faudrait que j'aille avoir dessus... ouais, du mana régène et genre des HP. Ouais, tu manques 15%, t'avais 15, mais... Et vu comme ça. Mais ça, je serais bien chaud de la roll. Hein. Un petit peu. J'ai des bottes, en fait, j'ai des bottes wear rares. Mais après, bon, j'ai de la move speed à la place. Mais je sais pas si 6% de move speed, tu le ressens vraiment. Au pire, je prendrais speed dans les talons. Je prendrais un petit speed 1 au pire. Je crois que j'aurais pris un level de plus. Parce que là, ce qui m'intéresserait, c'est l'item rarity et mana regen. Mais bon, c'est un enfer à avoir les deux, quoi. Poison Avoider, ok. C'est quand tu veux l'item rarity, hein. Putain, j'ai un bon jet de roll en plus sur les HP et tout, mais... Tu sais que si j'ai trop peu d'item rarity, je suis obligé de... Putain, ouais, mais c'est de la merde. Allez, 5% c'est pourri. De toute façon, ce qu'il y avait avec, c'est pourri. Ah, là, je peux peut-être mettre un item rarity avec. Je perds 12% de dégâts, mais en vrai, Osef. Je vais voir si je peux rajouter un item rarity là-dessus. Mais j'ai pas d'HP encore, ça me fait chier. C'est trop compliqué le stuff à reroll, c'était pas au moins épique, je trouve. Hein. Pour avoir des bons trucs. Ok, 10% d'item rarity. Donc j'ai plus d'item rarity, j'ai plus de mana regen. J'ai un peu moins de dégâts, mais j'ai plus d'ability power. J'ai beaucoup plus d'ability power surtout. Attends, ability power, je suis à combien là? Là, je suis à. C'est où cette merde? 59. Là, je suis à 83. Même une petite diff. J'ai bien plus de durabilité aussi. Ça, c'est cool. Hop. Et faut que je prenne des émeraudes. Ah, tu me diras, ils ont plus leur PNJ pour trade là-bas, ils les ont déplacés, je pense. En fork. Je vais prendre des primitives quand même dans le doute. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a plus rien dans leur baraque. Hein. Mais en fait, il n'y a même plus de baraque de toute façon, donc non, il n'y a plus rien. Ah si, il y a encore la maison. Est-ce qu'ils ont laissé Mistle PNJ dedans? J'ai comme un doute, je vois rien sur la carte. J'ai comme un doute. Bah, j'allais taxer le PNJ de bas. Hein. Il faudrait que ouais, je me planque des petits PNJ là, limite, pour trade un peu les émeraudes avec eux. Parce que bah, le pauvre là, c'est pas avec, avec mes pumpkins que je vais trade grand chose. Après, il me faudrait quoi? Il me faudrait 10 émeraudes. Je sais plus ce qu'on peut trade avec bah. Faut que je mette des bottes à nipote en plus pour les patates et tout aussi. Faire ça après. Pili les poètes. Miaou. Final le dash, en vrai le niveau de dash tu vois pas trop la différence hein, je trouve. Enfin, ça dash quand même plus loin que quand il était level 3 hein, c'est sûr. Mais c'est pas insane non plus quoi. Là, par contre, c'est vrai que j'ai plus fait d'un falling. Oh, ça. Oh, il y avait des melons aussi que j'aurais pu prendre. Oh merde. Ah, mais oui, il était pas upgrade lui avant lui. Bon, après, ça va, j'ai ce qu'il faut en. Il veut pas aller. Non, se refill. Petit bourre. Non, c'est la fin de la journée, il va pas se refill le con. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va s'enchanter ici du coup. Est-ce qu'il a ce qu'il faut le couillon pour s'enchanter? Oui. À prendre Unbreaking et Feather Falling. Let's go. Bon, jambière, il me reste pas grand chose en Dura. Casque non plus. Enfin, jambière, surtout, ça a pété avant, je pense.
Et en vrai, donc là, comme dit, je mets pas de points. Et ce qu'on fera, c'est que niveau 46, je mettrai un point dans le speed. Ah, quoi, attends, c'est 4 points? Je sais plus c'est combien les points de speed. Ah, c'est 4 points! Ouais, mais ça carry quand même le speed, hein, donc. Ouais, bah niveau 48, on mettra du point dans le speed. Hein. J'allais voir niveau knowledge où on en est aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de Black Opal, quand même pas mal. Là, en Black Opal, on en a quasiment deux stacks. Ça, c'est Stonks. Ok, bah faut aller chercher du basalte, hein, du coup. Au niveau des colorants, j'ai les trucs ou pas que j'ai fait pousser? Ouais, j'ai ça, ça fait des colorants, ça. Hein? Après tout ce qui est Avenger item, faudra jeter plus tard, hein, parce qu'on a le temps. Ok. Après niveau hypercore, on est bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans du coup? Une water wheel. Bon, fuck create, hein. Je serais bien avoir autre chose que du create. Alors seed. Hein. Bon, faut 37. Hein. Pas si bon. Iron, au 22. Iron, je commence à. Ouais, ça part vite à chaque fois, à chaque volt. Hein. Le colorant, on s'en prend de cuir. On va chercher le basalte en attendant. Tion. Son basalte, il y en a dans le couloir, faut juste que je creuse un petit peu. On va se prendre 2-3 stacks là, puis voilà. Mais c'est vrai que ça. J'en avais déjà fait, j'en ai récupéré pas mal la dernière fois en plus du basalte. Hein. Mais c'est sûr que quand une vault te demande 80 de basalte, bah tu fais 3-4 cristaux, c'est finito quoi. C'est la Blackstone que j'avais pris là-dedans. Ouais. Voilà. Faut reprendre un peu de Blackstone tant qu'à faire. Doom. Nickel, hein. Ouais, fait pas tant que ça en basalte. Hein. Et 4 stacks. Ouf. Bouf, bouf, bouf. Il y a du mob autour, hein, par contre. Hein. Oh. Il y en a des couchons. Salut Anton, ça va et toi? Comment vas-tu? Tadam! Restart opérationnel. De toute façon, je pense pas prendre un level sur cette vault. Donc, on va en faire un deuxième cristal directement derrière. Ouais. Au moins le poser. Pour Ayuka, tu j'ai, poulet j'ai, iron j'ai, bois j'ai. Ok, bon, bah comme ça. Je le craft pas maintenant, si jamais que je prenne un level entier. Mais au moins, c'est déjà posé, je sais déjà les ressources à l'avance. On produit un coup les bébés? Ouf, on verra après. J'ai récolté tout à l'heure, ça m'en a encore donné que 3, donc je sais. Ah, c'est vrai, par contre, je devais faire une volte élixir, bah j'ai de la chance. J'ai de la chance, j'ai oublié que ma mission c'était de faire de l'élixir. J'ai une chance sur 4 hein, de tomber sur l'élixir maintenant, donc il a pris 180 là non? Attends, il avait 360 HP, il a pris un midlife à la boule de feu. Hein. Maintenant, la boule de feu sur les boss, ça tabasse. Hein. Ouais, on a de l'ability power. Parce qu'on a 84 d'ability power et la boule de feu, c'est 200% de ton ability power. Donc, c'est pour ça que c'est pas à négliger. Hein. T'as 20 d'ability power sur un item, c'est 40 de dégâts en plus sur la boule de feu quoi. Donc, même en AoE sur des gros mobs. Hein. Donc, quand t'as les deux gros champignons qui spawnent, ce genre de choses, c'est quand même stonks quoi. Je me heal juste avant de prendre le poison. Nick! Là où je viens, ça? Ah non. Hmm.
Bon, je me dis, avec les dégâts que je mets avec la boule de feu, faut que je fasse gaffe à pas me la prendre maintenant. Parce que vu qu'il y a du. Je peux me prendre des dégâts de mes bouboules. Faut que j'évite quoi. J'ai quoi comme trinket? J'en ai pas. Voilà. T'as d'autres questions, n'hésite pas. Il s'est fait stun par mon épée instant. Chet! Mais non, j'ai pas de trinket. J'avais le trinket avant de pas avoir de dégâts de chute, mais il a pété. Et je t'avoue que vu ce que ça coûte d'en refaire un pour 10 d'utilisation. Oh. Quel bonheur de one-shot ce genre de pack chiant là. Y'a un donjon là-bas. Je sais pas comment t'y accèdes, mais y'a un donjon. Bah t'y accèdes par là. Ah, y'en a, ils sont planqués de chez planqués les donjons hein. Dis donc Après t'as du loot hein. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Le con. Cyber. Merci pour les bouquins. Oh. Il y a moins de coffre trap qu'avant je trouve. Je sais pas. Je vais me faire instant karma à dire ça mais. Mais je trouve que c'est pas si pire. Tu. Ah on en a parlé qu'on a rien fait de l'élixir là ou. Non parce que bon. Ah attends, viens de là-bas, pas toi au sud. Ah c'est con, il manque un demi HP quoi. Voilà. Là je suis genre à 4 mana par seconde presque en régène donc tant que je prends pas de dégâts. Ils viennent d'où tous les trucs qui tombent là? Putain mais c'est de la PHW là. Oh ça lag en plus. Laissez-moi full HP, bande de salauds. Ah oui, c'est compliqué ça. Mais ouais, non, les trinkets j'en ai pas rechopé, faudrait que j'en rechope. Faudrait que j'ai de la chance. Ouais, je pourrais en crafter, je crois que j'ai deux trinkets scrap, mais pour gagner quoi. T'as un gros bonus quand t'es full vie. En fait, quand je suis full vie, je régène de mana quasiment deux fois plus vite. Ou souvent, bah je me mets un petit soin après pour régène de mana plus vite pour les rooms d'après ou genre de choses, tu vois. Là même s'il manque un cœur, me calque un petit heal quoi. Après bon faut pas que je prenne des dégâts chute à la con mais. Pour ça que Feather Falling c'était bien avec. Enfin pas Feather Falling mais le trinket anti-chute là. Et piégé ou oh. Pouf. Dexalina, comment ça va? Oh merde. J'ai pété le fierge. Hey bro. Où ils sont ces copains? Il a pas spawn tout seul hein, dans le coffre piège à lui. Hein. Ils étaient, plus nombreux. Hein. Ils étaient plus nombreux les cons. Parce que là, il y a pas un petit truc là. Tiens, en fait, vous voyez sur la carte, il y a un petit trou, il y a quelque chose là. Ah bah c'est ça. Ouais, super. Super le coffre piégé. Bah ils venaient plus nombreux.
sont lents du cul en plus les mobs. Ils sont lents du fion. On n'a pas d'autres? Non, c'est pour ça. Notre stonks. Alors... bah la salle on l'a faite. On va continuer à partir au sud. Du mieux qu'on peut aller en soi, nice. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Oh, c'est le village Planfiac. Faut trouver la grille. Alors, et où la grille? Mira peut être dans les maisons. Hein, donc, faut me faire avoir là. Ah, elle doit être dans une des baraques. Je sais même pas si j'ai envie d'aller dans le dedans en fait. Après, ça dépend si c'est full limit chest, je vais y aller, mais. Il y a quoi ici? C'est l'entrée? Ah, ouais, c'est l'entrée. Lol. Attends, y'a même pas de coffre là, c'est même pas une question d'avoir les vinchas ou pas, c'est qu'il y a... Oh, y'a du Hornite hein. Bon, ça je veux hein. Même si je me perds, je m'en fous. Je veux du Hornite chest. Au secours! Ah. Non, par contre, je vais bien faire là tous les. Voilà, hein, de foutre en comble le donjon, mais. Mais c'est quoi ce chemin de merde? Oh le labyrinthe plan cul! Y'a rien ici en plus! Oh, c'est de là où je viens tout à l'heure? Mais non. Ah si, j'ai pas vu qu'il y avait un chemin. Ah, j'ai vraiment fait le tour du coup. Ok. Allez-y, tapez-moi, hein, pas de problème. Hein. Je vais atterrir où là maintenant du coup? Oui, aïe aïe. Tac, c'est des mobs normaux, hein. Mais là, y'a aucun monde où j'en trouve une sortie en fait là. J'ai tourné 10 fois en rond en fait. Y'a aucun monde où je me souviens d'où je viens. Hein. T'as 100 en même temps. Oh. Ah si, je viens de là. Eh, hey, tu es mon pote. Hein. Non, ça c'est ça c'est l'étage de la baraque. Hein. Bon, bah nickel. Je vais faire un peu de loot. Vous avez fait un vol trinket. Hein. Ah oui, ça se trouve dans l'Ornate en fait ça. Le B pour les bestiaux. Oh, j'en ai plein, t'inquiète. On a plein à la baraque. Plus 1 régénération. Ah, je peux pas le mettre maintenant. Par contre, il a 25 de use. Régène en permanence, c'est fat. Hein. C'est fat. Hein. Enfin, si c'est ça, du coup, si j'ai un petit régène perma pour avoir du heal, oh, ça me va. Hein. Il me cure rien de toute façon. Hein. Si full HP plus de mana, si plus de mana plus de boules de feu, si plus de boules de feu plus vite. Hein. Plus vite finit au pipo. Alors le creeper, comment dire. Non, ça c'était pas cool. Et pourquoi c'est toujours les mobs qui ont 8000 arrière d'HP là qui sont des boss? Pourquoi c'est pas des petites merdouilles les boss là, genre des petits husks tout pourris? Genre comme eux. Merde. J'ai pas retrouvé une autre stone depuis la première salle par contre hein. J'ai pas envie de faire le mec pessimiste mais... Ah.
Pas comme ça, c'est réglé. Quelque chose là-bas? Là-dedans, y'a rien. Un sac pour deux coffres, quoi. Oh, les minchas, ça fait un petit moment, ça fait bien ça. C'est stonks. Mais pourquoi y'a encore. Attends, mais y'a encore un spawner, il est censé avoir des mobs en plus qui devraient spawn là? Ouais. C'est l'Orc Mustang, comment ça va? Ah, c'est trop chiant quand ils sont tous séparés de deux blocs les coffres, du coup tu peux en vain mine aucun. Faut qu'il y a scouille. Ah bah les piles de thunes c'est pareil. Voilà. Hop. Jamais la faveur des altars, hein, je me fais toujours pisser dessus, hein, c'est un délire. Hein. Par contre, il y a un nombre de salles dans cette vault, enfin je veux dire, il y a un nombre de petits trucs de. Mais meurs! Tiosque 3 en boss. Ouais, boss, tier 3 en mini zombie en boss. Je pense que je me mets juste sur un petit pylône et puis. Puis je fais caca culotte, hein. Ah, les mini zombies ils prennent pas de KB en plus, c'est un enfer. Puis ils courent trop vite. Ouais, non, si, tu peux avoir leur variante en bébé, alors putain, je te dis pas. Arrêtez de spawn par 4000 hein. Ouais, le trinket régène, là j'aimerais bien le mettre, hein. J'aimerais bien pouvoir le prendre là. Putain. Je peux pas équiper, en fait, je peux pas changer certaines parties de ton stuff en pleine volt. Hein. Oh, bah, le trinket que j'ai looté, je peux pas le mettre. Hein. Mon magnet est à 20%, faudra que je le répare aussi. Tu me diras, mon leggings est à 14%, mon casque est à 18%. Notre stonks. J'aurais pas dû sauter pour mettre la boule de feu. T'as fait un truc bizarre et ça les a pas touché du coup. Y'a pas de coffre là. What? Rien là-dedans. Oh. Ah, attends, parce que là-dedans y'a du bougre. Hein. Comment allez-vous? Ouais, les trucs planqués, moi ça me gonfle. Les trucs là planqués comme ça, là, comme des trucs à rats. T'as bien dormi après une grosse session poker hier, 15h-21h hein, et 22h minuit, pour proprement. Ah, Pokémon, je crois que j'ai lu poker dans Pokémon. Pour proprement 108 boosters d'une même série que j'avais pas encore démarré, tout trié, tout rangé partout et tout placé au bon endroit dans le classeur, au secours. Je commence à faire quand même 108 boosters Pokémon là. Ah mais attends, mais Retox et les Relos, c'est niveau 43 tout à l'heure, c'est niveau 46. Ils ont combien de ressources dans leur vault là? Ils ont pris 4 levels dans la vault les mecs là ou... C'est quoi l'histoire? Spider!
problème, c'est qu'il y a du peuple qui arrive là, non? Ouais, attendez-moi ici, les mecs, soyez sympas. Ah, c'est une vault à thune, hein. Chiant. En fait, dès que c'est difficulté normale, c'est forcément du pognon qu'il y a dedans, quoi. C'est un délire, hein. C'est bien le pognon, mais... Du peuple par contre qui m'attend à la sortie de la vault, hein, je vous le dis. Hop, perfect. Ouh. Pacifist bottle effect méga drill. Kezako. T'as la même chose à faire avec 4 autres séries, au secours. Bon alors attends, ils sont combien là les bougres? Je me prépare psychologiquement là. Ils sont même pas là en plus les cons, ils sont où? Je sais pas, ils sont quelque part. Je vais laisser leurs occupations. Ah les creepers, j'ai voulu le boule de feu parce que j'ai pas envie qu'ils me pètent mon chest. Hein. Je sais pas comment ça se passe après derrière au niveau des loots. Hein. Mais je pense pas que ça se passe très bien quoi. Et c'était quoi la série que t'as ouverte hier du coup, Orc? Il est beau le con! Ah bah les voilà les bougres! J'ai pas de spell hein. Attendez, on va gérer les plus rapides là. We did it! Il en restait un derrière apparemment, petit retardataire sur son poulet là. Ils sont à 24 stun des boss ou c'est une impression? Après tu me diras les petits mobs j'ai pas le temps de les stun vu qu'ils sont one shot. Mais l'auto way, je sais quoi qu'ils nous ont une momie là, elle se fait déglinguer quoi. Il me reste 5 minutes, je me souviens plus tout était la loadstone. Ah bah il y en a une là-haut. Très bien. Ok. Ouais, elle est au point de la boussole, mais en fait ce que je veux dire c'est que je me souviens plus du tout à combien de room elle est, tu vois, genre s'il y a beaucoup de salles à traverser ou pas. Hello. Boule de feu. Oh non. Juste à ça d'avant il me semble. Oh je suis pas sûr hein, tiens. Oh, t'as dit deux salles moi mais... Quand t'as deux boss qui spawn... Hein... Pour peu que tu te coins dans un bloc et après tu prends ta rif. Hein. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Non? Ouais. Par contre, je suis pas allé voir là-haut. Peut-être encore une suite. Hein. Hihi. Ok. Quel? En fait, parfois je me dis, il y a de la lave dans les salles. Ça se trouve, il y a des trucs qui sont planqués sous la lave. C'est vrai que je regarde pas tout le temps, mais. Bon, on va y 4 minutes, le temps d'aller dans une nouvelle salle, etc. Pff. Ciao. Hop. Oh, on a eu pas mal dans des chests quand même dans cette room. Enfin, dans cette vault, je veux dire. Mais on n'a pas eu tant de stuff que ça, malgré tout. On a genre 5 pièces, quoi. 6 pièces. Bon, un magnet, mais. On a deux casques par contre. Et en effet, on prend clairement pas un niveau.
On a quand même fait 20k XP. On va faire un petit dodo parce qu'il y a 2-3 creepers qui squattent autour. Moi ça nous valide une bounty aussi. Et là-dedans on a un dollar merde, comme d'hab. Ok. Que du scrappy. Scrappy, scrappy. Toujours pas eu de faveur, hein? Non. Ah, tiens, attends, il y a le trinket, c'est vrai. Que je teste là. Ah ouais, j'ai régène en perma. Oh, de cette pété ça. Hein. C'est complètement fou max. Hein. Oh, on a eu un fragment de clé d'ailleurs. Alors ça. Ah. Ça. Voilà. Arrête, est-ce que des blessings, faut pas les récupérer comme ça? Non, ça se mange pas. Hein. Je sais pas comment tu l'augmentes du coup sinon. Ouais, non, 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 les blessings, c'est vraiment ça te bouffe pas. Hein. Je sais pas si tu peux en faire quelque chose par la suite, à mettre quelque part. Voilà. On a le full stuff rhinocéros. Hein. Oh, on a des bottes à de la mouvement speed, pourquoi pas. Hein. Le casque a des bonnes stats de base hein, pour un casque bleu. Hein. Il est mieux que celui qu'on a. Hein. Faudrait que j'aille avoir mana régène et HP dessus quoi. Bon j'ai pas être exigeant, c'est un casque bleu donc et ça sera mieux que la dope que j'ai. Ouais. Bah tout le reste c'est poubelle hein. J'ai pas vu si la plage de dégâts était modifiée maintenant. On est toujours à 21 sur le stuff 45. Bizarre, je sais pas quand est-ce que ça monte au-dessus. Je crois que sur le site on le voyait. Alors le bougon. Bon, là-dedans c'est quoi? Dans 10 minutes hein. Donc on veut. Ouais. En fait, en bas, il me faut soit mana regen, soit item rarity, mais il me faut un truc plus intéressant que ça, quoi. Non. 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 Oh. Oh, alors ça. Ça, avec des HP, mon pote. Bon, je peux mettre que 4 à 5 HP, parce que j'ai toujours pas découvert le truc, mais. Et go. Ok, Potman. Hein. On a dans le casque niveau 28, on est quand même passé à un casque niveau 45. Hein. Essaye de faire un craft avec un cristal entouré de 8 blessings. J'ai pas. Attends, est-ce que j'ai 8 blessings du même truc? Ouais. Bah, attends, bah, faut que j'attende d'avoir le. Un cristal du coup, je vais juste réparer ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh mechanical bearing, c'est bien ça? Ah non, c'est de la merde. Je me suis emporté. Je pensais que c'était le truc qui coûtait du pog. Donc attends, il faut du hawk. Faudrait que j'ai buté du poulet aussi du coup. Pour redire un petit peu de poulet, il me faut du cacu et de l'iron. Voilà. Faut que j'ai zigouillé de la poule. On va redescendre à 50 ans. Hop. Hein. On fallait combien? 42? J'en ai 44. Voilà. Donc en gros tu me dis donc d'entourer ça de blessing. Fais rien. Hein. Non mais je sais pas à quoi ça sert, attends, Vault Hunter.
Blessing. Vehicle item blessing are used to craft idol. Ah! C'est là-dedans en fait. Quand tu veux craft des idoles en fait, parce qu'en gros les idoles ça te permet d'avoir justement une affinité plus profonde avec les différents trucs. Donc là j'ai un idole niveau genre 31, du coup j'ai 9% de Velara Affinity. Ce qui veut dire que bon, en gros grâce à ça j'aurai 9% de régène, de 8% et machin et de maximum HP en plus en fait. Les idoles c'est très fort mais c'est vrai que j'en ai jamais trouvé des très intéressants genre à mettre à la place d'un shield quoi. Ouais, la bounty, t'inquiète. Justement, je prépare mon prochain cristal pour qu'il soit pour la prochaine bounty. C'est éclaté. Voilà. Parce que ma prochaine bounty me redemande encore de faire une Elixir Run. Voilà. Alors, toi, mon pote. Je veux bien accueillir tout le monde chez moi là. Il y a des limites. Et voilà. Weasel. Poubelle. Hein. Un 40 mana flat par contre, meilleur rôle. Hein. Meilleur jeu. Stonks. Ferais bien un truc où t'as plus de living là. Vas-y, hein. On va mettre ça dessus. Hein. Sais pas c'est quoi le random négatif modifier qu'on va avoir, mais bon. Tant pis. Une minute en moins. Ok. Tendu ça. Ah, j'ai pas vidé par contre mon coffre. Ouf. Ah, y'a un backpack, je veux dire. Tu. Voilà. Je sais pas pourquoi le bloc il a pop par contre, mais... Ah, des gemmes je prends, hein. Les gemmes pour monter l'élixir c'est gigastonks. De toute façon les gemmes tout court c'est gigastonks aussi donc voilà. Fait longtemps que j'ai pas eu ce petit biome neige là. Avec ces petits mobs toute la course. Qui se font bien pulvériser à la boule de feu. Ah eux par contre ils m'ont pas manqué. Après ça va en fait. C'est des ça reste des zombards ou genre de choses là, des morts-vivants. Vu que j'ai 25% de dégâts en plus sur les zombies, ça me va quoi. Bon, par contre, ça c'est moins cool ça. Oh Nick! C'est moi joué! Faut pas bouger avec la neige! Ah merde, c'est pas où la sortie. Viens où? Là-bas. Ouais, faut que je remonte encore. Ça y est, du coup, j'ai jamais besoin de me heal avec mon trinket quoi. Trop trop fort. Ah, j'ai pas enchant mon casque par contre. Ça, c'est pas cool ça. Je suis parti un peu vite. Bon, il a mis 300 de dura donc ça va, mais c'est vrai qu'une breaking du coup c'est encore plus fort dessus. Faudrait que j'aille retrade avec le PNJ de bas et que cette fois-ci que je prenne des pastèques en plus. Elle est neuve? Elle est neuve, je la prends. C'est tendu au niveau timer là, l'élixir.
viennent d'où les bougres? Les trucs qu'on spawn là, on est d'accord? Encore un étage là-dedans? Ça sent le plan cul ici! Quoi ce truc planqué là? T'en sais, arriver comment ici? Surtout que je prenne le temps d'aller chercher plusieurs villageois chez moi, ouais, mais je sais même pas où j'aurais. Bah, je trouve un endroit pour les mettre, surtout avant même de les chercher, tu vois. Parce qu'il faudrait que je refasse la cave en dessous. Ah bah c'était ici que t'étais censé y aller. Ouais, bah c'est vrai que c'est très accessible. Hein. C'est vrai que c'est vachement intuitif. Hein. Franchement, une régénération passive dans les vols, c'est un régal. Hein. Ok, Lodestone. Je vais pas la marquer pour l'instant. De toute façon, c'est la première salle au nord de. Du portail, donc ça va. Hein. Elle est en plein milieu en plus. J'ai pas la marquer dans le doute aussi, jamais je finis pas le portail justement. Enfin, je veux dire l'objectif. Je dois me barrer. Mais moi tranquille. Pas possible cette histoire là. C'est Delphinius, comment vas-tu? Bien, bah ça va tranquille, écoute. Sûr. J'ai pas gris de mon dash. J'ai surtout peur que mon dash me fasse de la merde en fait, merde. Ouais, c'est un boss méga truc prout-mouche là. Bah tiens, fais-toi stun, chier! Chainsword Transmog. Qu'est-ce qu'il a pris pour avoir la transmog de Chainsword? Qu'est-ce qu'il a pris comme mode? Hein. Peut-être qu'il a trouvé ailleurs que dans un mode, tu me diras, mais. Possible aussi. Alors, gros nounours! Là, ils ont que 90% HP les ours. Je me souviens au début, les ours c'était vraiment les mobs qui me faisaient chier de fou. Et maintenant, bah un coup d'épée ou une boule de feu, c'est fini toi quoi. Peut-être pas un coup d'épée du coup, mais. Oh! Je sont ici, je peux pas chercher de villageois, je sais pas où les mettre. Non mais les villageois j'en ai déjà en fait hein, dans mon stockage. Hein. Enfin j'en ai déjà. À moins qu'on me les échoue avant. Je peux aller vérifier ça par contre. Je sais pas vérifier s'ils sont encore là. Et normalement j'en ai 3 ou 4. Hein. Et ils sont peut-être plus là du coup mais... C'est vrai que j'ai pas regardé toutes mes ressources une par une pour voir si on m'avait tout volé mais... Bon on a bien récupéré le timer. Hein. On est un petit peu de retard mais on est vraiment bien. C'est vrai qu'en plus on a commencé à 24 minutes et pas à 25. On a une minute en moins sur cette run. Hein. Donc bon. Par contre, les 25% de Divine Chest en plus, je pense que je peux me les mettre où je pense. Hein. Ah bah ok, c'est le premier qu'on voit quoi. Les premiers Divine Chest qui a pop et qui est pas censé pop à cet endroit là quoi. Ah ou alors non c'était même pas ça en fait, peut-être même une salle qui est entièrement les minchasses normalement. Ok. Oui parce que vu le nombre de minchasses qu'il y a, je crois pas que ce soit la fixe qui fait ça. Mais j'ai pas à me plaindre. Ouais nos ours sont tanky hein. Ouais les ours polaires de base ont quand même pas mal d'HP hein. Après là c'est pas les HP de base je pense des ours polaires quand même mais... C'est vrai que déjà sur Minecraft ils sont quand même bien tanky. Allô? Ça pour 3 piles de thunes là. Et la peine de faire une aussi grande salle hein. Il y avait des sous que j'ai pas pris je crois ouais. Alors
Je crois qu'on a fait en bas et en haut ici, du coup, on va continuer. Enfin, je sais plus si j'ai fait en haut ici, tu me diras. Ah, peut-être pas, non, c'est une nouvelle salle, je suis con. Hop. Ouais, à la limite, je vais laisser me taper, hein. Ça sera plus rapide que celle de tuer. Voilà. Est-ce qu'il reste un petit wooden chest dans le tas? Non. Oh, par contre, t'as du living ici. Tu as la blinde de living même. Aïe. Oh. Stonks, hein. Stonks, stonks, stonks. Pour Adura, c'est pas ouf de se faire taper, non. Ça c'est clair. Pour ça, j'essaie quand même souvent de les tuer à la main, mais. Ok, non, j'ai quasiment fini, il nous reste 15 minutes. On va pouvoir bien se faire plaisir au niveau des coachs. J'aimerais bien une petite salle avec plein de gemmes là. Oh bah tiens, une Volt Stone. Enfin, une Lode Stone, viens. T'as un bonhomme le truc là. J'ai regardé s'il n'y avait pas dans les escaliers, parce que parfois en fait sac de coffre ça paraît pas beaucoup. Du coup je me dis doit y en avoir un troisième planqué, mais apparemment non. Ou alors en tout cas, ou alors ailleurs. Si c'est pareil que deux coffres, doit bien y en avoir un planqué quand même. Ah voilà, merde. Heureusement qu'il y a les streams voyager en Flixbus, c'est long. Après les streams matinaux, à partir de demain il n'y en aura plus trop. En vrai il y a peut-être que le dimanche je pense où je ferai des streams matinaux. Alors quand je dis matinaux, le dimanche je serai peut-être genre 10h, 14h, tu vois, un truc comme ça. Mais peut-être que le dimanche vraiment où j'assurerai un stream matinal. Hein. Bonjour. Deuxième salle qu'on a comme ça là. Wouhou. Oh oh oh. Oh, ça sur le Living Chest c'est jouissif, hein. Flixbus c'est une filiale de transport de Netflix? Non. Et les bus. Je crois que j'ai pris une seule fois Flixbus, c'était pour aller de Strasbourg à Europa Park, moi. Bah attends, go sortir. Oh merde. T'arrives pas avant 22h à destination, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas 3 pays à côté? C'est quoi la destination là? Il est resté ici. Dieppe, Liège en Belgique. Oh, c'est marrant comme enfin, comme trajet, qu'est-ce, hein. Bon, c'est pas à côté, mais c'est pas si loin. Ah si, quoi que Liège, c'est un peu à l'opposé de... par rapport à là où tu pars, mais... Oh. Hop, paye pour Bibi. On a fait en bas, ici. Ouais, hein. Ouais, on a fait en bas. Ça va, on continue. Ça fait long quand même. Ouais, après, déjà de Dieppe arriver à la frontière belge en bus, on a pour un petit moment. Puis après, bon, les routes belges, tu rallonges le trajet par deux, tu vois. Pour le même nombre de kilomètres. Hein. Vu qu'en Belgique, tu dois rouler à 50, tellement la route est dégueulasse. Aïe aïe aïe. Thank you.
Oh bah tiens, tu avais une chaise au sol. Faisait longtemps. Ah merde, j'ai pas eu ton message avec Zaliana du coup. Ouais, je comprends mieux pourquoi t'avais pas trop le moral ces derniers jours. Écoute, en tout cas, bon courage du coup. Ils viennent d'où eux? Enfin, un donjon à la con? Oh. On peut appeler ça un donjon bof. Est-ce que je vais m'en plaindre? Non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de living chest encore. Putain, on a combien de knowledge essence là? 139. Alors il y en avait un petit peu de la vault d'avant. Mais on a une bonne centaine déjà depuis le début de fouille encore. Ouais, la vault d'avant, je sais même pas si j'ai pris de living chest. Hein. Oh putain, puis elle saute dedans, connard. Pipilipim. Non mais... Oh le réflexe petit fine, je voulais zoomer pour voir ce qu'il y avait. Sauf que ma touche de zoom Optifine, normalement, c'est ma touche de dash. Aïe aïe aïe. Mais vu qu'il n'y a pas Optifine, bah, je peux pas zoomer normalement, donc pour ça que j'ai mis la touche dessus. Putain. En tout cas, là. Oh, attends, il n'y en aurait pas un plaqué? Non, c'est bon. Bon, encore du Guilded. Ouais, tapez-moi, il n'y a pas de problème. Ok. C'est pas la bonne arme. Il a pris combien de dura le casque là? Il a pris un petit son de dura dans la tronche quand même. Avec cette volt là, par un breaking. Oh, les mini chests. Ouais, il y avait un deuxième nounours. Ils vont péter le spawner. Bon bah nickel. Et bah go partir encore faire une room hein. De toute façon il y a une room par là-bas où du coup on a la loud zone là. Celle dont on venait juste avant. Donc stonks. Stonks stonks stonks. Ok là-bas c'est du wooden. Ça me manque d'avoir un petit proc avec des nuages là sur l'épée. Mais en vrai, bah, le healing cloud, de toute façon, j'en ai pas besoin, vu que maintenant j'ai régène passive. C'est vrai que le slowness, ce genre de choses, ça serait bien. Ou poison. Mais poison, en fait, le truc, c'est que bah, fuis. Quand t'as le nuage qui tape à 4, mais que ton épée tape à 80 à côté, c'est vraiment utile. Merde, c'est de l'audience, ça. C'est pour ça qu'il faudrait que j'ai des rangs un peu plus élevés, là. J'avais une épée qui avait un nuage rang 4, mais t'avais que ça. C'est une épée scrappy. Mais il y avait un proc légendaire sur le nuage. Et c'était slowness, je crois. Ouais, bah, je sais pas. En fait, le problème, c'est que je peux difficilement savoir si toutes ces salles avec des Devin Chests, c'est lié à mon modifier que j'ai mis ou pas. Marc la Houston, ouais, mais en fait, elle est chiante d'accès celle-là. Du coup, limite, je vais garder celle d'avant. Vu que c'est une salle, ouais, c'est deux salles plus loin. Là, faut aller en bas. Ouf. Alors, en tête, Fubus, est-ce qu'il y a le wifi? Du coup, je crame pas mon forfait. Ah, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Hein. Après c'est vrai que maintenant sont les forfaits, on a quand même beaucoup plus de gigas qu'à l'époque. Donc en vrai pour un trajet ça reste quand même ok. Mais oui c'est quand même toujours ça de prix. Et ça coûte combien du coup un Dieppe Liège pour un voyage de 11 heures comme ça?
Allez, un petit loot. Oh, même pas une pièce de stuff quoi. Maigre butin. Bon, c'est encore une room. Pas qu'on se souvienne que dans cette room là il y a une lodestone du coup que j'ai pas marqué. Hein. Vite aller-retour. Hein. Ouais, bon, c'est quand même pas donné, mais en vrai, ça va quand même pour la distance. Surtout quand tu vois le prix du carburant maintenant, quand même. Plus les péages, plus tout ça. Ouais, c'est quand même raisonnable, quoi. Oh merde. J'ai enculé la neige autour. Ça va bien remplir mon inventaire, ça va, oui, étonnamment. Terrible, hein. Ça va que j'ai une stack upgrade hein, parce que bon. C'est une salle avec des gemmes du coup ou c'est juste un filon là qu'on a eu? Bazar. Juste un filon, ok. Chet! Fait comboter l'anus lui. Aïe. Ça pique. Ouais, le stunning chance en vrai contre les boss, c'est vraiment fat, hein, ça stun un petit moment quand même. Hein. C'est vraiment pas négligeable. Oh, c'est bien les wooden chests, hein, mais j'aimerais bien avoir des vrais trucs. J'ai combien de chance de stun? J'ai 11%. Ouais. Et du coup, si tu lui mets un stun, en fait, t'assures de mettre 2-3 coups gratos derrière sans devoir fuir, quoi. Si jamais c'est un boss qui est un peu chiant, quand même cool. Bah, attends, pourquoi il y a un truc full coloré sur la carte là? Quelque chose que j'ai loupé là? Non? C'est quoi l'histoire là? Putain, mais tu viens d'où toi? Pour rester là-haut? Je sais pas. Hein. Il a l'air de monter par là. Non, oh ouais, c'est en dessous. Oh merde alors. Faut descendre indéfiniment là-dedans, hein. Salut! Bon, il reste 2 minutes, on va quand même se bouger le cul. Non, en plus t'as un endroit accessible. Hein. Ouf. Moi je vais remonter. Hein. Flemme de fouiller ça. Bon, il y a un guilded, mais vas-y, tant pis. En fait, j'avais juste à descendre quand tu es descendre pour trouver le truc. Je chie à tout creuser comme un con. On vient du sud. Ah non, là, j'allais les ranger où? Les ranger là. Dans le backpack à loot du truc. Dans le backpack à loot des coffres. Et donc j'ai tout. Tout ce qui sort des coffres, c'est là-dedans. Sauf les trucs rares, ok. Mais j'en avais 4 en arrivant. Ah ouais! J'en ai fait 167 là, dans la vault. Hein. Stonks! En même temps, 23 000 d'XP, on a bien fouillé. Hein. T'es des gouillous. Et toi, hein? Volt Helmet. Non, ouais, mais vas-y, ça me donnait un bon casque maintenant alors que je viens de faire chier à faire un casque. Tu me diras, il est pas enchanté le casque, hein, s'il me donne un meilleur casque, moi vas-y, hein, pas de problème. Hein. Moi je prends, hein. Je prends. Hein. Alors attends. Et ça le Discord encore, hein. Hop. Tu. Avec les scrolls, faudrait que je les garde aussi, c'est quand même vachement pratique. Hein. Enfin, pas que je les garde, mais que je les protège, mais trop de ressources à protéger des autres. Ah, il y a le black market à check, ouais. Je joue dans un serveur, ouais. Ouais. Attends, les boules de neige, qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais faire ça. Hein.
peux mettre des poules dans ton Under? Oui, je peux mettre des poules sur les shulkers ou des trucs comme ça aussi. Hein. Pour un changement, on va être pas trop en vrai. C'est un doute tous chromatiques là? Ah, mais c'est en récompense de Bounty, je pense. Miaou. Ah, Mister Yak, faudra que je récupère. Ah, mais t'as, bah, je pourrais tout garder dans les pouches. Bah, là, il y a des trucs qui étaient déjà remplis, hein. Et truc qui était déjà rempli. En gemme? Ah non, en gemme non. Oui, c'est vrai qu'en gemme, je peux regarder dedans. Ouais. T'en as que certaines qui vont se remplir avant d'autres. Hein. Et ben voilà! Pouah! On va pas le faire aujourd'hui. Parce qu'il faut tout installer, tout crafter, tout machin. On fera ça une prochaine fois. On va continuer à faire les petites vols tranquilles aujourd'hui, cette petite farming, mais on commencera ça, je pense, vendredi peut-être. Après, j'aimerais bien faire la ferme à bois avant aussi. Donc, on verra. Pipi, pipouim. Ou alors, je suis à Ifine Storage et je ferai la ferme à bois après. Au pire, je serai dans ce sens-là. Les Français sont tellement frileux, ils ont des pulls, pantalons et manteaux pendant que moi je suis en débardeur avec un short. Hein. Bah, attends, il fait combien là-haut là? Bah, je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai vu la météo, voilà pour prendre l'avion, sorti le pantalon, sorti la veste, etc. Hein. J'ai vu qu'il allait faire 17 en rentrant, bah, 17 là c'est la moumoute. Hein. On a des bottes. Wand, flemme. Idole, le problème c'est que là-dedans c'est de la merde. T'aimes encore une wand, qu'est-ce qu'il y a où? Pourri, pourri du cul. Parce que là j'étais habitué là pendant 2 semaines à être à... Ouais, à au moins 30 degrés, tu vois. Donc c'est vrai que quand je vais rentrer, ça va piquer quoi. Mais tiens, je me disais, comment ça y a des bottes Omega, mais elles sortent d'où elles? Ah oui, je les ai pris de là-dedans. Mouais. Maigre butin. Le casque qui pue du cul. Les boîtes à pu du cul. Les lapins. Ok. C'est bon. Bon, du coup, j'ai plus de bounty. C'est sans cooldown, non. Et je voulais chercher des émeraudes. Ouais, peut-être pris un peu beaucoup. Oh, elle a été shot par un dungeon pillager. Terrible. Oh no. Ah bon, bah let's go. Par contre, c'est mes outils aussi qui commencent à prendre cher. Et n'empêche, l'outil là qui me sert à fouiller des coffres. Faut quand même beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'aimant, faut que je répare. Faut que je répare mon magnet. Bien vu. C'était tellement petit sur l'écran là les trucs de durabilité que fais même pas attention. Bonjour Mister. Ouais, t'étais radin toi. Tirezette? Non? Allez, c'est le matin là. Allez, tu me diras, c'est pas assez le matin en fait. Ah, c'est le matin, fuck. Bon, ça fait quand même 24 émeraudes, hein. Faut se plaindre. Bon, c'est pas le bon truc, ça, non? Hop. Ouais, du coup, en vrai, vas-y, hein. Je mets tout. Voilà. Tadam. Je peux pas les grossir, je sais pas si l'affichage peut le grossir. C'est pareil, ce métier, j'ai vu qu'en fait, quand on utilise des spells, il y a un affichage ici qui lui montre en fait le cooldown récent sur le spell, plutôt qu'en bas à gauche. Je sais pas comment il a eu ça. J'ai essayé de voir dans les options et tout, il n'y a pas d'options en fait donc. Donc je sais pas trop.
C'est Poa, ça débloque quoi, Poa? Tu peux cuire des items avec Poa, je crois pas. Hein. Poa, du coup, il va falloir le système avec les orbes et tout qu'il va falloir gérer aussi, avec les rods. Et ça sera plus tard, ça, en vrai. Hein. Pour l'instant, j'en aurais pas besoin pour leur lit. En production d'énergie, en vrai, il y a quoi au début? Tu fais un petit thermogénérateur basique, quoi. Parce que dès que tu pars sur du hardened, faut du energy at steel. Mais en vrai, tu fais des petits thermogénérateurs basiques du début, c'est bien. Ah, après, attends, thermogénérateur, il faut quand même. Ah ouais, non, attends, FF. FF parce qu'il faut de l'eau, je crois, en permanence. Après, j'ai create. C'est bon. Y a le sink. Mais le sink, il est gratos. Bon, j'irai pas jusqu'à dire gratos. Mais ah oui, sink et puis un petit pipe Z en vrai. Parce que pour moi, il y a des câbles, mais c'est des câbles d'énergie. Donc sink, pipe Z. Pipe Z, ça coûte un puntos. Hein, genre. De toute façon, là-dedans, Xnet, nick. Iron Furnace, nick. Dark Utilities, flemme. Modular Router, plus tard. Donc bon. Au pire, je pourrais les acheter, hein, écoute, je dépends en plus. Hein. En vrai, modular. Ouais, mais modular plus tard. Modular plus tard, surtout qu'en vrai, modular, les trucs de modular routeur et tout, ça coûte des éco-gemmes, donc de ce que j'ai regardé, donc. Pour ça que plus tard. Oh, les lilypads, j'en ai pas récupéré, je m'étais dit putain, en plus, ça va me servir cette merde. Soit faut aller dans le marais, c'est pas grave. Smooth tone. Slime ball. Il m'en reste qu'une. Non mais attends, mais des slime balls, j'en avais plein. J'ai rien crafté avec les slime balls. J'ai fait un sticky beast, non? Pour mon upgrade de pick-up. Et j'en ai utilisé genre 9. Peut-être à tout casser dans les cristaux. Il m'en restait au moins une dizaine. Du coup, cette merde encore. Mais même les slime balls, il faut que j'y foute dans les endroits de chest, c'est ça l'histoire? Casser les couilles. Y a des nénuphars dans les marais, hein. Ouais. C'est trop chiant les gens qui sont pas foutus de jouer par eux-mêmes et qui sont obligés de venir piquer à Jonka dans tes ressources. Il faut que je répare la magnate aussi. Toujours pas fait. Le Zilitra! Merci. Je vais en prendre au moins un en plus de nénuphar parce que tu peux les botter, nipote. Bon, je vais en prendre plus que un de toute façon qui t'est à côté, mais. J'ai jamais. J'ai pas fait gaffe, mais ils ont vraiment mis consolider une base incroyable dans la description de leur mode pack. Bah écoute. Apparemment, hein. Ouais, c'est parce qu'il y a Create, je pense, pour ça. Qui c'est qui est venu chouraf tous les arbres aussi? Quelqu'un qui a pris que les feuilles des arbres de marais? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que les gens sont venus faire avec le bois? Peut-être Bazon en vrai, hein, parce que vu qu'il y a sondage sur le clic droit. Un grand travail, c'est ça que Jimmy Pong compire avec eux niveau pierre de ressources, il n'est pas le dernier.
Non, mais après, en fait, c'est pareil, tu vois, quand tu fais piquer des ressources par quelqu'un que tu connais et tout, qui est ton pote, tout ça, y a pas de soucis. Après, si c'est des gens que tu connais pas du tout et qui se permettent quand même de piquer dans tes coffres sans aucune pitié, et surtout pour des ressources ultra rares. Voilà, tu vois, en fait, y a piquer et piquer. Et en fait, moi, c'est pareil, moi, quand tu viens de me demander des ressources, je te les donne avec grand plaisir. Voler, c'est différent quand même. Limite, on m'aurait demandé les éco-gemmes, je les aurais peut-être donné. Encore, ça dépend qui est prêt. Parce que tant dans les vols que dans nos bases. Après, c'est un peu le principe du pack. Hein. Mais ça dépend des moments, parce que t'as des moments, bah, juste en fait, tu dois farmer beaucoup de ressources. Après, t'as des moments où tu passes beaucoup de temps dans ta base aussi à faire les trucs, tu vois. Il faudra que j'achète les chunk loader aussi, en tout cas, faire du coup, si je commence à avoir refine, create et tout, hein, pour tout chunk load, pour que tout marche bien comme il faut. Si jamais je pars. Hein. En fait, je pense que je vais attendre d'avoir les chunk loader au moins pour commencer refine. Hein, pour être sûr. Ça y était ça? Alors le Magnoot. Poc poc poc. Bon bah let's go. Bon cette fois-ci vu qu'on n'a pas d'objectif particulier. Alors c'est quand la prochaine bounty? 43 minutes. Bon, s'en refaire une comme ça. Hein. Est-ce que je me referais pas une petite scavenger là? Ça donne quand même pas mal d'XP si tu l'as réussi. J'aime de plus en plus scavenger en vrai. En fait, une fois que tu commences à bien connaître tes trucs, ça va quoi. Hop. Voilà. Après, le problème du scavenger, c'est que par exemple, tu vois, si tu mets un modifier qui fait que t'as plus de coffres de tel type hein, et que c'est pas celui qu'il te faut à la fin, enfin à la fin, pour ta run, c'est chiant. Ah oui, puis là, ah oui, ok, c'est scavenger de petite kikette là. Oh, oh merde. Bah, il faut juste trouver des gemmes et puis trouver de la thune, c'est tout. Tout le reste ne sert à rien. L'enfer. Hein. Parce que j'ai compris, un peu de temps dans une base nécessaire, on peut pas jouer avec les vaults. Ah bah non, parce que si tu fais que les vaults, de toute façon, au bout d'un moment, après ton stuff, si tu passes pas un peu de temps dans ta base à modifier ton stuff, à ajouter des choses, etc., à faire des bons outils et tout, t'auras du mal à avancer dans les vaults. Hein. Puis en même temps, en fait, le truc, c'est que faire que les vaults, ça sert à. En fait, les vaults sont là pour t'aider à faire ta base, en gros. En fait, c'est là pour te donner les ressources qu'il faut pour les mods, etc., parce que les mods et les crafts sont modifiés. Tu veux faire du refine storage, tu veux faire ta disquette, etc., il te faudra des ressources que tu as trouvées dans les vaults. Hein. Mais putain le lac ça fait que ça pas vein mine hein. Très bien. Fait les deux c'est complémentaire quoi. Et pour crafter des vaults, justement, enfin pour faire les cristaux pour ouvrir des vaults, il te faut plein de ressources. Et ces ressources là, bah, le but c'est de les automatiser avec ta base. Parce que si à chaque fois tu dois aller chercher à la main, à gauche à droite, c'est un peu chiant quoi. Oh. J'aime pas ces mobs. Bon bah deux essences noires, je les ai déjà. Le building et la déco, les vols c'est bien car il y a des beaux blocs de même déco. Ouais, alors après, je t'avoue que moi le building, j'ai même pas d'idée de base en vrai. En fait, le truc c'est que je sais pas quoi faire comme base pour ce pack là. J'aimerais bien faire un truc avec un ascenseur qui me descend après une salle principale et puis après, bah faire un peu un truc à la Ragna mode, mais bon, j'ai fait sur Ragna, enfin pas sur Ragna, sur Infinity Evil, je veux dire. Et bon, je sais plus si j'ai fouillé là aussi. Pas par là. Tu 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 tu.
Après, des volts, la plupart des blocs, c'est des blocs vanilla. Hein. Mais le reste, c'est globalement du quark, un truc comme ça. Ouais, Retox et Relo ont fait ce truc d'ascenseur. Bah, c'est ce que j'avais fait sur mode cube quand il y avait Create, hein. Mais c'est vrai que là, c'est. Moi, j'ai fait vraiment un ascenseur un peu cheap, quoi. Le truc qu'ils ont fait, il est vraiment incroyable, hein. Comment ça fonctionne. Oh, des gemmes, ça c'est bien ça. Et qu'il nous en faut. Alors. Il faut quoi? Il faut un wishbone. D'habitude, c'est le truc que j'ai en premier. Évidemment, je vais pas en avoir, hein, c'est ça. Et. Attends, il reste une gemme là. Hop. En effet. Tut tut tum. Oh, c'est con qu'il y ait rien sur les living chests pour une fois qu'il y en a plein. Non. Je pense que ce qui va me manquer, ça va être. Ouais, soit les piles de thunes, soit les gemmes. Les deux, c'est un petit peu chiant parce que c'est vachement random. Bah, voilà, enfin, un vrai donjon là! Ah, parce que difficulté normale, on s'emmerde à force. Je sais juste plus comment je le joue le premier zombard. Comme ça, je crois. On a quoi? C'est du Ornate? Oh, j'aurais bien kiffé que ça ait été. Si c'était un truc impossible, le Ornate, ça m'aurait mis trop trop bien quoi. Ça m'aurait mis trop trop bien. Ça m'aurait fait la blinde de loot. Oh non. Je sais pas s'ils peuvent. Ah si, ils peuvent spawn dans les donjons quand même, ces mobs de merde. Ok. Essaye non. Le boss là qui arrive là. Il a l'air un peu vénère là. On a des bottes jaunes. Tellement stonk d'avoir autant d'ornate chest, trop trop bien. On a pas eu des gros stuff, mais oh, on a eu quand même pas mal de X mobs. C'est cool ça. Les petites bouboules comme ça. Permet de reroll les stats de base, les stats principales d'un item. Donc, genre, c'est un item Omega qui a les stats principales de merde, tu peux le reroll si tu veux. C'est quand même assez chouette. Hein. Je sais plus, on descendait ou on remontait? Non, on remontait. Quel plaisir la pickle, la sickle en Volterit full affinity, ah bah ça. À level 50, on va en refaire une, hein? Déjà, hein? Et ouais, on aura déjà des nouveaux matériaux, hein? Parce que là, c'est le level 35 qu'on a, hein? On aura encore plus de trucs dessus, plus de. Peut-être, je sais pas, d'item rarity, de mining speed, de ce genre de choses, quoi. Pour abourrir un peu plus, hein. En plus, j'ai des gemmes de psychopathe à mettre, hein, que j'ai chopé. Hein. Qui ont un size vraiment très très bas et qui donne les affinités et l'item rarity sur la même gemme. Hein. La boule de feu me fait des dégâts, ouais. Ah ouais, c'est pour ça que par moment je prends genre 5 coeurs dans la gueule hein, si je suis un peu trop proche. Hein. Et Jimmy il est mort dans une vault comme ça hier. Ou hier ou avant-hier, je sais plus. Ou il y a quelques jours. Non, il y a quelques jours, non, c'est un petit moment. Il est mort de sa propre boule de feu dans une vault. Hein. Eh ben il est ornate chest, y a pas de gem, y a pas de pile de thunes, mais putain qu'il y a du stuff hein. Ah oui le boss comme ça là. Ah vas-y non. Ah oui j'ai weakness en plus si je te tape là. Bah tiens, fais-toi stun. Hein. Tonks. Ah forcément dans le tas il y a forcément un piège trap, hein. Enfin un coffre trap je veux dire. Il n'y avait même pas de mob autour, un simple mystique. Ah ouais? Ah merde! Ah, il est encore plus con du coup. Autant tu meurs ta propre boule de feu parce que t'es un peu dans la mer et tout, t'as plein de mobs autour de toi, voilà. Mais si tu misclic. Un peu plus con.
Ça sent quand même que j'ai pas speed, hein. Ça sent que je suis un peu lent. Ah mais non, mais attends, mais j'ai un Souness pendant combien de temps? Au secours. C'est le mob de tout à l'heure, hein, qui m'a slow, hein, pour rappel, hein. Elle bosse, hein. Slow pendant 10 minutes, là. Cette merde, là. Oh, la thune! Merde. Ah oui, de la thune! Ouais, bah voilà, hein. Thune, c'est fini. Voilà. En même temps, c'était l'item le moins rare qu'il me fallait pour les sous-sous. Maintenant, il faut des gemmes. 16 minutes pour trouver des gemmes, ça va. Hein. Je vais quand même continuer de fouiller normalement. Il y avait un attard qui lui demandait des cœurs, hein. Et au lieu de casser la régène, il a lancé la boule de feu. Terrible. Ça va, bro? Tiens la glace. Bon, attends, je vais sortir de cette salle là, j'aime pas. Je vais sortir, pas descendre. Est-ce qu'en haut on a les trucs accessibles? Ouais, viteuf là-bas, mais ça peut l'air dingue. Hein. C'est du full wooden chest. Hein. Après, wooden c'est bien hein, quand même, ça donne les matériaux qu'il faut globalement et ça donne aussi des mod box. Hein. Bon, je vais boire un coup avant de me faire zigouiller dans la salle là. Crunch. Ouais, encore full wooden. Oh, des gemmes, des gemmes, des gemmes, des gemmes. Please. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gemmes déjà là-dedans, là. Malheureusement. Oh, il y en a deux. Il faut aller loin avec ça. J'ai pas allé loin avec ça. Encore des wooden chests. Yo! Encore des wooden chests. Ah, du living! What the ta, ça on parle. Putain, mais ils me suivent jusqu'à la mort, les mecs. Hein. Oh, c'est du wooden, mais ils sont bien paquets donc je vais les prendre. Oh, des gemmes au plafond! Royce. Putain, je crois que c'était une éco gemme, c'est de la bénitoite. Fuck. Pourtant c'est quand même pas vraiment le même skin mais. Mais bon. Non mais j'ai pas celui qu'il faut. J'ai tous sauf celui qu'il faut. Y'avait une gemme dans le tas ou j'ai fumé? J'ai fumé, ok. Toi Nicolas, comment as-tu? Ouais, vas-y, attends. On se casse! C'est pas une salle à gemme encore, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a de beau là-bas? Qu'est-ce qu'on a de beau en bas? Du wooden chest en voiture, voilà. Du living. Aïe. Putain, il est sauté, du coup ça tire en bas. C'est bien, ça vient ton exploration de vol? Bah nickel, écoute. On a eu pas mal de knowledge essence. On a fait une volte à 167 knowledge essence, je crois.
autant te dire que c'est stonks. Par contre, c'est nombreux là. Ok, la thune, j'en ai plus besoin. Ça, c'est encore des wooden chests de merde. Donnez-moi des vrais trucs! Essaye quand même de faire en sorte de finir mon scavenger hunt parce que déjà que c'est pas un scavenger hunt là qui donnait beaucoup de ressources pour avoir la blinde d'XP à la fin, j'aimerais bien au moins la finir quoi. L'XP de ce que j'ai compris dépend pas mal en fait du nombre d'items qu'il te demande et du coup que tu donnes. Et vu que là il me demandait pas grand chose, malgré tout j'ai du mal à le finir. Ok, tout le monde est mort. Nickel. Quand même vérifier que je l'ai pas eu hein. Non j'ai pas hein. J'ai pas. D'ailleurs, apparemment, je crois que t'as un challenge qui me demande de tuer je sais plus combien de mobs au total dans la vault. C'est une récompense cachée, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, j'avais cru lire. Living chest, ok. C'est 500 mobs. Hein. Mais c'est quoi, c'est un objectif de vault ou c'est un truc caché qui donne un bonus en plus? Cassez-vous! Pas d'aoué moi! Cherche un wishbone pour finir du coup, ouais! Ouais, ouais, bah il me faut des gemmes en fait. Hein. Pour un spot de gemmes là. Bon, après, quand c'est un spot de living chest, ça me va aussi, hein, mais. Bah, ils sont encore des milliards là, putain. À deux doigts me mettre juste sur des blocs en fait de tout paquet de boules de feu quoi. Il me déglingue ma durabilité sinon quoi. C'est une mission cachée, ok. Le truc c'est qu'on peut, c'est pas vraiment le nombre de mobs qu'on a tué quoi. Et quand t'es sur des vaults comme je suis en train de faire là, où c'est la blinde de mini-mobs, hein, en vrai ça va assez vite hein. Je sais pourquoi je me suis vide. Hein? Pourquoi la lave coule d'un coup? Oh FF. On a trouvé deux spots de gemmes depuis le début, c'est pas faute quand même d'explorer partout et de pas prendre trois quarts des coffres qu'on nous offre. Hein. Ah. Alors peut-être. Hein. Ça sent pas trop mal cette histoire là. Bah voilà, il t'en faut un, t'en donnes deux. Parfait. Par contre, si c'est une salle à gemmes. Bon, je vais y aller. Hein. Un donjon que je peux ouvrir. Ah, c'est pas une salle à gemmes, ok. C'était juste en filant comme ça. Très bien. Y'a rien ici? Nope. Y'a rien, mais y'a une petite. C'est une vindou, hein. Une petite salle planquée derrière. Hein. C'est merde. Tout ça pour ça? Ah bah ça régale. Là-dedans on a la même version mais avec Door Knight, c'est ça? J'ai un poil plus strong quoi. C'est chiant, bah en vrai, souvent les Hornets à côté t'as de la lave. Et bah si t'as mis ton dedans, du coup tu es dans le cul quoi. Grosso merdo. Ça me paraît tout bon. Faut tout trouver la salle X et le village avec plein de mobs. Hein.
Ouais, bah c'est vrai que le village, après t'as les spawners, mais même après, tu tombes directement sur le village avec les spawners, est-ce qu'en 5 minutes, en 25 minutes, est-ce que t'as le temps de farmer 500 mobs? Lira, j'avais tout à l'heure le spawner, dans le village, je veux dire. Ouais, ça allait, hein. Ouais, il est pourri cette vault là, j'ai envie de sortir d'ici. J'ai juste envie de compléter l'altar là. Bon, on va se barrer, on va en refaire une, hein. Est-ce que je passe 47 là? Je sais pas. Y a 200 dans la boule de feu, hein. Tant que ça. Ouais, non, je pense que je vais sortir, ouais. Vais sortir, je vais sortir. Oh, bah attends. On aura fait des Hornet Chests hein, sur cette run, hein. La vache. Ordonne! Oh. Ok, la meilleure expertise à prendre au début. Je pense que ça dépend. Hein. T'en as plein qui sont cool. Hein. T'en as plein qui sont cool. J'ai vu sur laquelle. En fait, je pense au tout départ, la meilleure. Ouais, je sais même pas. Je saurais même pas dire. Lucky Altar, en vrai, plus tôt tu la prends, mieux c'est. Je pense. Même si au début, les premiers cristaux vont pas te demander une chier de ressources non plus, tu vois. Mais. Puis tout dépend ce que tu veux. En voie divine, ça peut être cool. Ça c'est sympa parce que voilà ça peut donner des legendary modifiers sur le stuff et bon les stuff du début c'est pas dingue d'avoir quand même des affiches des trucs légendaires dessus. Marketer une fois que t'as le black market ça peut être cool aussi pour avoir plein de trucs. Fortunate moi j'aime bien parce que du coup ça donne fortune 5. Voilà. Et fortune 5 sur les gemmes autant te dire que c'est Stonks. Parce que quand t'as des éco gemmes et que t'en chopes 6 en laminant bah, ça aille. Il manquait quoi pour mon prochain outil? J'ai Coin Affinity. Living, Gilded. Ah, j'ai pas le Ornate. Mais tout à l'heure, on a trouvé une belle d'Ornate. Hein. Celle-là, là, elle est sympa. En fait, vu que c'est un peu la seule que j'ai en Ornate. Hein. Ça prend pas mal hein, la place du coin, mais du coup, j'ai en plus de mining speed quoi. Du coup, j'ai Ornate, Coin, Wooden, Gilded, Living. Eh, faut calculer parce que là, t'es quand même à 36 et 44,80. Ça fait 134 du coup. 134 ça reste de la marge hein, sur un outil où t'as je crois peut-être 250 pour le prochain. Faut quand même mettre du truc en plus hein. Donc bon. Tu-tu-le-tu. Voilà. Bon, 45 essence, not bad. Hop, faire au niveau des gemmes. Que chi. Que chi. En vrai, là, on peut faire. On a un pog, on peut en faire 9. Parce que ce qu'on a le moins, c'est Xenium. Mais sinon, on peut en faire plein, quoi. Et ça, Xenium, c'est un peu chaud à trouver, je crois. Et un peu tendu du slip. Hein. Par contre, on a la blinde de loot à faire. Hein. Let's go! Bien! Est-ce qu'on a du épique dans le tas? On n'en a même pas? Putain, on a que du rare, hein. Au secours, hein. Que du bon rare avec des stats bien pourris, quoi. Les zombies, faudrait que je vois, hein. Le torche, je vais le garder de côté. Oh, belle baguette, hein. Le shield est comme le mien, il est 13.5 en torrent. Après, il faudrait que je vois ce que je mets dessus parce que c'est quand même un rare, du coup, j'aurais forcément moins de ressources. 13.5, c'est pas si bien que ça en vrai. Gardez dans le doute, mais. Non, tout le reste ça fait pas incroyable. Hein. Tout le reste ça va finir à la poubelle. Hein.
Non, bah faut voir ce torse. Qu'est-ce que ça peut donner? J'aimerais bien avoir un bon pantalon un jour, mais j'ai que des scrappies quoi. Après, il y a lui, mais. À voir. Ah, les deux à voir là. Le torse, c'est un poil mieux, mais est-ce que j'ai envie de tout claquer dessus? Je sais pas. Hein. Voir ce qu'il reste. Après, il y a un casque rare là. Qui a un poil moins. Non, mais mon casque est bien. Hein. En fait, le casque rare a pu me permettre à l'arrière d'avoir du item rarity en plus du mana regen, c'est vrai. Et ça me coûterait la peau des fesses à faire. Hein. En fait, c'est chiant, c'est que les bonnes stats, je les ai sur des items communs, quoi. Les items rares ou épiques, ils ont des jets de merde. Hein. Après, je peux le reroll, hein, mais. Hein. Mais ouais, je pense que les Xbox, là, je les mettrais vraiment au minimum sur du épique. Sinon, du Omega, mais. Hein, au minimum du épique, quoi. Ok. Donc, bah, déjà, tout ça, j'ai poubelle. Parce qu'en vrai, j'en ai pas besoin. Je les garde de côté, mais en vrai, ils sont pas dingues. Hein. Eh, je dis pas dingue, pas dingue. Tu rajoutes des HP là-dessus, c'est quand même fort. Hein. Mais t'as moins de taunts, quoi. Ouais, je vais garder de côté quand même. L'exemple que j'ai eu en recyclant, en fait, c'est des focus là que tu peux utiliser pour être sûr d'avoir le truc qui est mis en question, genre item rarity. Bah, je suis sûr d'avoir item rarity sur mon item quand je vais le reroll. Donc, c'est pour aider un petit peu à essayer d'avoir une épée ou une armure ou un outil ou quoi, en fait, avec la stat en question quoi. Mais le problème, c'est que ça tombe qu'une quoi. Donc, si je suis sûr d'avoir item rarity, faudrait que je le mette genre sur au moins peut-être un truc pareil, au moins épique ou oméga. Comme ça, moi, les stats autour, j'ai quand même plus de chances qu'elles soient pas trop merdiques. Hein. Mais bon. Il faudrait que je vois. Parce qu'en fait, il a quand même le même jet de taunts qui est un peu pourri. En fait, il sera forcément moins bien que ce que j'ai, en fait. C'est le problème. Donc, je vais le dégager. Il y aura forcément moins de stats. Hein. Lui il est un poil mieux, mais. J'ai de la chance sur les Tamariti et Mana Regen, que là j'ai quand même les deux. Et les jambières. Je peux essayer de choper un item Tamariti et Mana Regen dessus, ouais. Commencer par les jambières en vrai, vas-y. Ok, ni l'un ni l'autre. De la merde. De la merde. Faudrait des HP en fait quoi. Je perds 5 PV quand même hein, si je remplace mon truc. J'ai déjà pas beaucoup d'HP sur mon stuff. C'est la seule pièce qui me donne des PV en fait quoi. En fait mon pantalon il va être chiant à remplacer parce que j'ai quand même un très bon pantalon actuellement. J'ai pas roll 40 000 trucs hein. Faire encore 5 rolls, 4. Je suis un peu exigeant en fait, c'est le problème. Ouais, nique, hein. Poubelle. Et en fait, il y a trop de stats qui sont importantes à avoir et quand on n'a pas, c'est chiant. Après, c'est que pendant, il n'y a pas d'item rarity, donc ça serait quand même bien remplacer un jour, mais. Le truc, c'est qu'il est épique. Hein. Il faut ce torse là. Est-ce que j'ai vraiment envie de le modifier? Peut-être avoir des HP à la place de l'armure? Ouais. Non.
J'ai même 11% de... Oh, 12% d'items rarity. Mais j'ai pas de mana régène. Après, je pourrais mettre des PV en plus. Je perds 24% de mana régène, mais j'ai 15% de trappe des armes chance, ce qui est quand même très fort. Sachant qu'en plus, maintenant, j'ai la régène naturelle. Est-ce que j'ai besoin d'autant de mana régène, vu que je serai plus souvent full HP? Je pense que je prends ça et je mets des HP. Je perds un peu d'armure, mais... Bien. Ouais, la mana régène, je sais que je peux l'add avec cette table là par exemple. Bon, je peux pas monter au-dessus de 30, 30 machin, en fait c'est dans les stats des suffixes en bas. Donc là, je peux pas en mettre à la place du trap des armes par exemple, tu vois. En fait, j'ai pas encore retrouvé les archives pour mon stuff. Vas-y, on va faire ça. Hein. Je perds un peu d'armure, mais je gagne quand même pas mal de PV en plus. Donc ça se vaut. Ça se vaut, ça se vaut. Tu sais qu'en fait, avoir plein d'armure si t'as pas beaucoup de PV, bah c'est pas dingue. Faut avoir un bon ratio. Faut avoir un bon ratio. Voilà. Plus il a mis les cales de Dural Thor, c'est quand même assez important la durabilité pour éviter de devoir en réparer la jambe 4. Le problème de mes jambières, hein, c'est qu'elles ont très peu de durabilité. Mais bon. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'en item rarity, j'ai que deux pièces hein, qu'on a, hein, c'est chiant. Hein. Mais en même temps, bon, le casque il est commun, hein, donc pas beaucoup de slots de disponibles. Y'a pas un wiki qui explique tous les enchantements? Je crois que dans le jeu, t'as peut-être une explication avec le bouquin. Pas l'impression. Pas comment il l'appellerait s'il y avait en fait. Peut être avoir plein de noms, mais un qui me dit que ça peut être là-dedans, ouais. C'est bon, un tout rangé? Dans rien à ouvrir? Le market est dans 1 heure. Très bien. On pose sur une dernière petite volte en vrai là. C'est une dernière petite volte. Comme ça, 48, je prends mon speed. Hein. Et on est bon. Enfin, un petit speed 1 en perma quoi. Restyle. Rock. Hop. Je veux savoir qu'est-ce qu'il coûte par contre. Cher. Il coûte cher. J'ai pas de prismarine. J'ai des blocs en prismarine, mais j'ai pas de prismarine. Puis à moins de la zigougouille. Je sais pas comment je peux la cut. Ah, avec pulvérizing, putain. Ou alors avec create, hein, avec ça. Avec un petit ventilo du fion sur du feu de la main. Soit je me fais un outil pourri pulvérizing là. En vrai, attends, il me reste des outils. Pickaxe. Il va bien avoir une pioche pourrie qui traîne, non? Une pioche, elle a rien dessus. En chromatic iron. Oh, je vais la mettre en pulvérizing. Ah, mais elle est seal touch. Je vais pas la mettre en pulvérizing du coup. Ouais, quoi, est-ce que c'est grave en vrai qu'elle soit pulvérizing seal touch? Attends, mais j'avais une gemme pulvérisée. Il me dit pas que c'est la seule gemme que j'ai virée par contre. Oh. On va faire create, je crois. Hein. On va faire create, je crois. Hein. Là, j'ai pas fini de toute façon. J'étais persuadé d'en avoir vu plein des pulvérisées.
Là, je vais la prendre pour mon prochain outil. Je fais mes courses en même temps. Ça va être chiant pour équipe des blocs en volt, hein. À part ça, ça change rien si je me trompe pas. Ouais, mais c'est pour, c'est en plus c'était pour un outil que j'utilise pas. Non, bah en vrai, bah go souffler avec Create, hein. De toute façon, hein. On va faire ça, hein. Bah, qu'est-ce qu'il faut du coup, on a dit? Merde, Chris Marine. Faut ça. Et ça du coup, faut ça. Ça du coup, faut ça. Ok. Voilà. Voilà. Merde. Je sais pas, ça marche pas bien. Ok. Attends, faut des shafts. Hein. Oh, faut des plates! Non, tu veux autant de la mer, il y en a, Jimmy et d'autres vont là-bas pour ça. Bah, je crois que je vais faire ça. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas d'écho de la. Bah, non, parce qu'en vrai, là, si je dois faire du. Commencer à faire les plates, tout ça, la presse, mes couilles. FF1. Pas créer ta plus tard. Bon, j'aurai mon moulin et tout, genre de choses. C'est où la carte là? Mais attends, dans la merde, le truc, c'est que j'en ai pas, je crois. Faut pas en avoir vu. Du coup, sans les coordonnées, ça va être un peu complexe. Hein. Je sais même pas vers où ils sont, Jimmy & Co. en fait. Moi là-dedans, j'en ai pas un. Il y a une épave. Hein. Ici? Tu l'as vu? De quoi ici tu l'as vu? Un temple ici, hein? C'est que tu vois un temple là-dedans, toi. Ah oui, là, le temple! Bien vu! Et je suis au côté gauche en effet. Miaou. Aïe. Il faut arranger tout après parce que c'est vrai que dans 4 heures là faut que je parte, même pas dans 3 heures et quelques, faut que je parte pour aller à l'aéroport là. On va recommencer à faire les bagages. Et surtout, il va falloir que j'exporte mon instance aussi, Minecraft. Hein, pour l'avoir sur le PC fixe. Hein. Pili-loulou. Après, il me faut que 3 shards, quoi. Bon. Ça fait 3. Youhou! Oh non, regardez ça. Fait 10. En vrai, le truc, c'est que s'il me tape, il meurt tout seul, c'est con. Ah non, parce que j'ai pas mes élytras. Enfin, j'ai mes élytras, justement, j'ai pas mon torte. Hop, que dalle le bougon! Bon, à 13, ça sera bien, hein, déjà. Hein. Oh fuck. J'avais pas déclenché les élytras avant de dash. Hein. Rondé. Voilà. Bon, magnifatique, c'est dur combien de temps? 4 minutes. Ok. Bon, j'en ai pas trop besoin. Enfin, sauf si je pars en volt directement après, tu me diras. Là, je prends un petit saut de lait. Ah, mais il y a vraiment des blocs de cobble partout, comme quoi ça a été exploré dans le coin. Mais il serait par là-dedans, Jimmy et tout? Il y a full bloc de cobble sur les arbres. Hein. Ça me paraît un peu loin quand même pour qu'il soit installé par là-dedans. Sauf plutôt dans les montagnes là-bas, je pense. Pas trop loin du spawn.
Voilà. Dans sur une montagne enneigée? Ouais, c'est vague quand même, hein. Moi, je pourrais dire que je suis dans un village, hein. Il y en a quelques-uns quand même sur la map. Moins 1600, 2600? Ouais, ils sont vraiment en spawn, quoi. Ils sont à côté de Rashtox et tout, quoi. En fait, combien de kelp? 33. Ok, donc il m'en faut encore un. Des flèches, on va prendre le stack. Kelp, on en prend un. Et le reste, c'est de la duolite. Parfait. Est-ce qu'on fait random? J'aime bien Scavenger Hunt. En fait, Scavenger Hunt, l'avantage, c'est qu'après tous les items Scavenger que t'as là, ça te fait une chier d'essence. Vas-y, on va refaire encore une Scavenger Hunt. Histoire de bien s'habituer au truc. Voilà. Après, ça coûte un petit peu d'XP à chaque fois, forcément, de mettre un truc dessus, mais bon. Peut-être une bounty, ouais, mais je sais pas. Non, il manque 3 minutes. On peut attendre 3 minutes après avant d'y aller, hein. Voir la bounty qu'il y a, je vais prendre déjà des bounty perles sur moi. Comme ça, au moins, essayer d'avoir un truc qui coïncide un petit peu avec ce qu'on va faire. Mais ouais, faudrait que je vois pour commencer à crafter du stuff. En fait, le problème, c'est que j'ai crafté peut-être une dizaine de stuff. Et à chaque fois, c'est du scrappy. Alors, ça te monte un petit peu ton niveau de forge. On voit que le casque, je suis à 0,9% de profession. Mais s'il faut monter genre à 100% avant de pouvoir crafter du bon stuff, flemme, hein. Flemme du coup. Tout cas, on a débloqué Poa, on a Perk Z, on a Create, on a Refine, il nous manque le Chunk Loader. Et franchement, on va commencer à être très très bien. Après, j'aimerais bien partir sur du Cagerium, qui coûte quand même très cher, mais qui nous permettrait d'automatiser tous les loots de mobs. Donc ça serait vraiment insane. Puis j'aimerais bien aller faire mon petit shop aussi. À la zone commerciale. Je suis pas encore jamais allé là-bas, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des shops. J'attends d'avoir un certain nombre de skills pour les dépenser. En fait, là, ce que j'aimerais bien prendre un point dans le speed. Vu que j'ai plus de speed sur mes bottes, j'aimerais bien avoir un point dedans quand même pour me déplacer plus vite dans les volts. Et ça coûte 4 points à prendre, donc c'est pour ça. Pour ça, c'est pour ça. Après, il me restera un point à mettre dans sorcellerie à la rigueur, mais. Et après, il faudra que j'augmente les masteries pour faire plus de dégâts sur les mobs, je pense. Il y a Ast après que tu peux avoir aussi. Et je one shot déjà tout en fait sauf les coffres donc. C'est con, y'a un qui booste ses boules de feu. C'est vraiment que tu pour le javelot quoi. Marrant. Essaye de faire comment ça va? Mining speed, ça sert pour les coffres? Bah, en vrai, j'espère. Parce que c'est vrai que pour miner les coffres de bois plus rapidement, ce serait cool. Sinon, je vois pas l'intérêt du mining speed sur un sickle, quoi. Parce que copiously, ça sert à rien, du coup. Vu que c'est pour les ressources, pour les. Genre les gemmes, quoi. Ou les minerais. Donc bon. Et 45 secondes. Parce qu'en fait, la prochaine cycle, une fois que t'as toutes les affinités, qu'est-ce que tu rajoutes dessus quoi? Bah, de l'item en rarity, ça c'est sûr. Et de l'item quantity, pourquoi pas aussi. C'est vrai que là, j'ai 0 item rarity en plus sur mon sur ma cycle. C'est quoi les plus grosses levels du serve? Je crois que c'est Nunboy. Je sais pas si Jimmy et Ponk sont au-dessus. Je sais pas du tout. Cette merde là. Ah, c'est un bon torse ça pour le début quand même. Hein. Alors, mis de la bénitouate hein, pour avoir une épée. En vrai, go. Hein. Go, ça se fait partout et.
C'est Stonks la récompense. Avoir une épée au moins rare, go. Même plus haut level que Bonk, ouais. Après, j'ai un peu plus de temps de jeu, mais. Puis là, prochainement, on va faire un peu moins de vault. On va commencer à plus avancer sur la base un petit peu, faire plus de botany pot, faire à plat, enfin refine, commencer create, etc. etc. quoi. Alors, Ripage, ok, il faudra guild Gilded et un tout petit peu de rien du tout de gemme. Très bien. Très bien, très bien. Bon, on a un altar, première salle, ça me va. On a des gemmes, ça me va. Oh, on a une salle à gemmes en plus. Bon, le premier objectif, ça va être fini. Si je pouvais retrouver de l'éco-gemme. Voilà, comme ça c'est dit. Par contre, je sens qu'après cette vault, ouais, faudra réparer quand même un petit coup la pioche. Hein. Pioche qui commence à prendre tarif, on a déjà été réparé une fois tout à l'heure. En même temps, à tout casser, quand t'as des gemmes à tout vein mine, forcément ça part très très vite. T'as que mettre de la durabilité dessus, c'est pas déconnant, ouais. Après, je pense que les prochains outils niveau 50, de toute façon, on attendra ça hein, pour les faire. Mais je me demande si t'as pas un coup de repair en plus que tu peux mettre dessus. T'es sérieux que là sur toutes les gemmes que j'ai minées, j'ai même pas eu le bon truc? J'ai eu que ça? Ouais! Ah bah elles sont radines les gemmes, dis donc. Elles sont radines. Cette connerie. Comme d'hab, ben, j'ai les trucs rares et épiques, mais alors les trucs de base. Ah, tu me diras, c'est peut-être Omega le Skeleton Skull en fait. Je pensais que c'était le truc de base. Non, non, ok, oui, non, vert, c'est Omega. Je pense. C'est le truc le plus rare. C'est la même couleur que pour le stuff. Hein. Trop habitué à jouer à WoW, le stuff vert, c'est de la merde. Hein. Ah, oui, donc non, ouais, j'aime, ça va que j'ai une salle à gemme, hein, parce que sinon, bonne chance quoi. Bonne chance. Hein. Encore c'est une salle à gemme où il n'y a pas tant de gemmes que ça. Hein. Ouais. Bah ça sera pas dans cette salle là du coup. Je crois qu'on a fait le tour. Ok, alors on part où? Sud. Miaou. C'est des gros mangeurs. Chien. Pour argent, on a du wooden chest aussi. Hein. Après, ça va, la dernière fois, on avait une quête qui demandait d'en faire 23. Les rip page, on a réussi à toutes les faire en une vault. Viage. Je pense que la 14, ça devrait aller. Ouh, la date une. Stonks. Ouh, du living chest. Stonks. Il y a un peu de mob. Ça va. Ah putain, ok, il y a une salle sur le côté aussi. Oui, il y a un donjon caché et tout. J'ai vraiment sauté au pire endroit quoi. Aïe. C'est con que j'ai pas besoin d'Ornite hein. Soir de rare là. Quand même très rare d'avoir du stuff jaune ou plus là-dedans. Dans les coffres comme ça classique. Hein.
Bonjour, c'est Mob. Ah, la petite mic de LOL là. C'est quand les Worlds de LOL d'ailleurs? C'est fin d'année, non? Je sais plus. En haut, on a quasiment tout fait. Il y a au-dessus le truc que j'ai pas fait. Et là-haut, j'ai pas fait non plus. Ah, si, y a rien, donc ça tombe bien. Ah, bah, c'est du wooden. Ouais, bah, flemme d'aller chercher ça. On va continuer au sud. J'ai laissé des pièces, ouais, je sais. J'en ai pas besoin de pièces. En fait, là, il me faut du wooden chest, des gemmes et des gilded chest. On les voit en haut à côté des petits symboles. Bon, c'est tout petit, hein, mais. Ah bah encore une salle à gemmes. Tonks. Peut-être qu'on aura ce qu'il faut cette fois-ci. Et moi, il y a de la bénitoite pour ma quête, donc ça me va. Du xénium, ça tonks. Fait du pog en plus. Et puis c'est The Phil en démarqué, tu l'as dit donc en termes de taille. Ah bah du xénium encore. Ah ouais. Bon, j'avais dit que j'aimerais bien avoir de l'éco-gemme. Bon, ça me donne deux trucs de xénium dans un seul et même filon. Je vais faire un petit effort. Putain, il est toujours pas ce qu'il faut. Chiant. Du coup. Les pages, j'ai quoi? J'ai que les pages, hein. Le reste, j'ai pas. Hein. J'ai pas la tête de ces morts. Hein. Donc, des fois, qu'il n'y a pas plus d'avance, plus les gemmes uniques, en fait, sont limitées aussi communes que les gemmes normales, quoi. Genre. T'as pas un si long, t'en as pas quoi. Ouf. Bien fait de ratisser un petit peu plus quand même, hein, parce qu'il reste encore pas mal de gemmes. Gold River Lab again. Y a rien, c'est vide! C'est vide, c'est vide! Y a pas de salle en fait, surtout. Même sur la carte, quand tu regardes, t'as pas de salle à côté. On a eu que deux filons en bas. Bon, c'est des gros filons, hein, mais on a eu que deux. Puis là, c'est plus tard, j'ai reçu mon meuble. Ça marche! Bah écoute, bon montage. Et puis, bah, de toute façon, prochain live sera demain. Fin de matinée. Fin de matinée midi. Voilà, de. Probablement 10h30, 11h à 13h45, je dirais. Après le prochain, ça sera samedi midi. Puis samedi soir. Puis dimanche matin. Puis dimanche soir. Ce week-end, il y aura des lives le soir. Il y aura du Season Sky dimanche soir et un truc avec pas mal de coupins samedi soir. Oh, j'ai eu la tête! Let's go! Ça c'est Stonks. C'était temps parce que deux salles entières de gemmes là pour rien avoir. Bon, mais du xénium évidemment. Et je parle d'un point de vue objectif. C'était un petit peu tendu. Alors, samedi c'est pas matin, puis midi, puis après-midi, puis soir. Hein. Samedi c'est juste. Genre midi, midi 15h, midi 16h, un truc comme ça, puis après il y aura le live le soir. Bon, du coup, maintenant faut vraiment qu'on se focus sur les guildes et les wooden. Oh, attends, j'ai éclaté. De nuit, je dors quasiment pas là. Ah, c'est pas mal ça, le mob chiant sur un poulet là, bah oui! Ok. Encore du living chest! Ça pue. Marrant qu'il y en ait que 3 dedans.
Le monde, il n'y a pas des trucs à creuser en plus pour en avoir d'autres. Ouais, bizarre. Qu'est-ce qu'on dépose? Bah ça déjà, hein, sera fait. Moi, je suis sûr qu'on me demande plus. Les pages, de toute façon, je les ai pas toutes, donc j'ai le temps. Là, c'est de la thune, donc on s'en bat les couilles. Là, on a quoi, là? On a du wooden? Wooden, il m'en faut, donc on prend à fond. Ah, puis ça me donne des books et tout, mais ça me donne pas mes pages. Au secours. Voilà, deux pages. Nice. J'aime bien cela, comment c'est généré. En fait, t'as 4 living chests au milieu. Ou t'as juste à faire ça, tu les as tous. Bon, forcément, quand t'as une potion, c'est un peu plus chiant, mais. On a combien de knowledge essence là sur cette run? Que 27 hein. Pourtant, on en a fouillé plein des coffres. On en a fouillé plein. Vous savez combien ça fait 6 pages ici? Non, c'est pas le bon backpack. On fait 12 pages, hein. Ça va. Bon, tu sais qu'il t'en faut 14, ça va. Après, derrière, on fera vraiment essayer de forcer que des salles où il y a du Gilded, mais c'est chaud parce que Gilded, c'est quand même 3 items rares qu'il va nous falloir. Déjà, bah, des Gilded, là, ça fait 12 minutes qu'on est là, on n'a pas croisé un seul, de chest. Donc si en plus, c'est quand même un truc rare qu'il me faut dedans. Bon, ça, c'est pas un truc épique ou un truc Omega, mais... Parce qu'il aime pas gagner. Il m'a sucé tous mes levels lui. Oh, il y a l'air d'avoir un donjon à côté. Enfin, quoi que non, tu me diras sur la salle, il y a rien. Sur la carte, je veux dire. Ouais. C'était un bait. La pioche est quasiment dead. Je me demande ce qui se passe quand t'arrives à 0 de dura. Est-ce qu'elle est genre rip? J'ai appris Wooden Chest ici. Moi. Voilà. Et en hauteur, bon, on va passer par là. J'entends des mobs spawn au-dessus. Les gars sont skin, mais c'est comme si c'est cassé et bloqué à la main. Ok. On aurait du rire, tu peux la réparer quoi. Malgré tout, même si elle est à 0, tu peux quand même après la réparer dans une enclume quoi. Elle est de hypercore, yeah. Ok. Oh non, j'avais peur qu'en fait même à 0 elle soit même plus du tout réparable, tu vois. Mais ça va, ça fait comme un outil tinker. Hein. Cool. Hein. En vrai, ça se trouve à tout moment, c'est une. C'en est une qui est incassable, hein. C'est vrai, t'as la mode chez certaines personnes d'avoir des items incassables. Bon, ils ont de la chance. Hein. Normalement, il n'y a pas d'item incassable, hein, mais t'as une chance d'en avoir un. Genre bason, quoi. Et c'est vrai que moi, vu que je suis jamais arrivé à 0 de dura, je peux pas savoir en fait si elles sont incassables ou pas. Vérifie le nombre de fois que tu peux la réparer. Ouais, il me reste encore 2 fois là. Encore un petit peu de marge. Manquait quoi? Il me manquait 2 pages. Bon, les pages, j'ai ce qu'il faut du coup. Oui. Oh, du Gilded! Let's go! Bah, Rashtox, il a pris mécanisme. Bah, je pensais qu'il avait déjà pris mécanisme. Mais du coup, non. Bon, j'ai un collier. Pas me plaindre, parce que c'est quand même mieux que rien. Je serais bien content d'avoir un collier à chaque fois que je croise des guildes chats quoi. Déjà. Après je serais bien content d'en croiser aussi mais. De toute façon en fait là je continue à fouiller mais ouais c'est que des guildes qu'il me faut maintenant. Hein. Le reste aux F hein. Surtout que là c'est des coffres en plus qui sont complètement split. Hein. Quoique là-bas ils sont paquets. Ouais. À moitié. Je sais jamais que j'ai une mode box dedans. Voir une petite disquette applied. Hein. Enfin iFine du coup.
Ouais, ça marche, bon appétit Snow. De toute façon, c'est ma dernière volte après. J'irai Miam aussi. Commence à se faire faim. Je dis, je les prends que s'ils sont paqués, mais ils sont tous paqués, fait chier. Où du guild? Let's go! Oh non, y'a un gobelet, t'es sérieux là? Oh, le Corpus Lee à 26, c'est bien ça. C'est bien, Corpus Lee 26. Sur un item. Justement, sur une prochaine pioche là. Permet d'avoir plus de ressources. Alors. Wooden. Wooden. Des gemmes. Ouais, pourquoi pas, hein. Les gemmes, on a été fouiller voir ce qu'il y a dedans, mais. Ok, y'a rien. Quand même une gemme unique. Y'a quand même une gemme unique, je la prends. On va pas la laisser, faut pas déconner. Quoi, c'est du wooden ça encore? Let's go. T'as là-dedans aussi? Ouais. Monte par où? Monte à l'opposé de là où je suis monté, super. Wooden. C'est quoi ça? Il prend ma vie. Kéo. Bah, de toute façon, on sait jamais. Hein. Si jamais je le finis pas, j'ai déjà donné ça quand même. Ça fera un peu d'XP en plus si jamais je sors de la volte. Hein. C'est vrai que là, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Je pense qu'on va partir à l'est et on va remonter au nord après. Pour se rapprocher un petit peu de là où je suis venu. Ok, Gilded, let's go. On a eu un Spider Charm. Tonks. Il y en avait la blinde de Gilded là-dedans. Il y en avait la blinde. Tant mieux parce que sinon c'était tendu. Là y a un donjon derrière. Espérons que ce soit un donjon à Gilded, mais rien n'est moins sûr. Ils viennent d'où les bobans? Toi t'as réussi à sortir les donjons toi petit saligo. C'est ça? Ouais t'as réussi à sortir les donjons, je sais pas comment, mais t'as réussi. Et c'est un donjon à Gifourtou, très bien. C'est un donjon quand même pas mal de guildes dedans, vache. Mais il y a vraiment de tout. Allez. Bon. Malheureusement on n'aura pas eu de truc dedans. C'est con, c'était une bonne salle bien stonks. Donc comme quoi on a bien fait de partir à l'est hein, parce qu'il y a vraiment la blinde de Gilded. Hein. Et ici on a déjà fait. Hein. Il y avait une gemme au milieu mais tant pis. Donc maintenant c'est full nord c'est ça? On va déjà voir là-dedans parce qu'il y a du Gilded. Les Ecochards c'est gemme unique? Non c'est encore plus rare que unique. Hein. Encore plus rare, mais du coup ça ne sert pas à faire des pogs, ça va faire des trucs encore au-dessus des pogs. Mais j'ai que des gobelets alors que c'est censé être plus rare! Terrible! Terrible, terrible histoire! Hein. Y'a quoi dans la montgolfière là? J'ai pas, mais là où y'a du wooden. Ouais, y'a l'air d'avoir que du wooden. Hein. Ouais, bingo bingo.
Lego, ça y est! Même pas que tu passes ta vie dans les vaults, ouais. Enfin, en fait, c'est là-dedans que t'as toutes les ressources qui t'intéressent. Dehors, t'as les ressources vanilla. Mais dans les vaults, c'est toutes les ressources un peu modées en fait qui vont t'intéresser. Parce que la plupart des crafts sont custom. Hein. Et du coup, bah tout ce que je chope là, en fait, tout ce qui est là-dedans, tout ça, c'est ça à faire des crafts, tiens. Ou reforge tes items, un machin, modifier les stats que t'as dessus. Les gemmes sont très importantes aussi. Surtout les gemmes uniques. Hein. Même si les autres sont très utiles aussi. Attends, je vais aller voir en bas, on remontera après quand j'aurai le dash. Va essayer de packer un peu tout le monde là. Ah ouais, les mecs, toujours plus. Ok, on a fini, on a le charme, plus qu'à trouver un altar. Putain, il reste 4 minutes. On va remonter. Je crois qu'il y avait un altar. Oh. On voit des patates, je te dirais rien. Et qu'il me donne des bottes en échange. Hein. On va essayer de retourner dans la première salle. Hein. Mais comment tu remontes de cette merde hein. Donc là, faut que j'aille à l'ouest. Il n'y a pas d'altar ici, hein? Non. C'est pas usant à la longue les vaults? Non, du tout. Bah, moi j'adore farmer, donc surtout en plus là, en farming un peu en mode donjon ou quoi. Donc, mais de toute façon, oui, non, c'est des gens qui aiment pas farmer, faut clairement pas qu'ils jouent sur le pack. Parce que c'est un pack essentiellement de farming. T'as la plupart des ressources dont t'auras besoin, tu ne pourras pas être automatisé au final. Donc, ouais. Enfin, je pense pas que tu puisses automatiser les ressources que tu chopes dans les vaults. Donc, et bah quasiment 48. On va manger un burger ou deux, comme ça on va level up. Hein, pour apprendre la speed. Oh! Oh! C'est un magnet? Non! Oh, c'est des leggings! Putain, des jambières! Eh mon gars! Oh! Oh, ça régale ça, dis donc! Bah, c'est rare que j'ai du bon stuff dans les bounties de fin. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est un truc de scavenger ou quoi, mais. J'aurais peut-être pas dû le mettre dedans par contre si j'ai mis le bug. Ouf, tant pis. Alors, ding, paladin leggings. Oh les stats de merde. On va le rework, hein. On va le rework. Hein. Chestplate pareil, éclaté au sol. Il va falloir tout retravailler, tu vois. Ah, un shell à 40, à 15 de taunt, c'est déjà plus intéressant. Les bottes à 24 d'ability power! Ah, je verrai pour les refaire aussi du coup. Bon, les jambières là, je les dégage. Ça, je le vire. Ok. À 24 d'AP, c'est pas mal sur les bottes. Hein. Il est marrant le torse par contre là. Pépé-dém. Bon bah, nickel. On a eu la blinde de gemmes rares. Hein. Attends, le bénitoit s'en est pas, mais le reste s'en est. Non, ça c'est des gemstones, hein, j'ai rien dit. La bounty est pas terminée. Je suis à la moitié. Si, l'item scavenger que j'utilise pas, en fait, après à terme, je les mets dans ce coffre là et je les recycle. Et c'est ma paix. Bon, ça va. Voilà le prochain cristal, qu'est-ce qu'il me coûtera? Même si de toute façon, on va pas le faire aujourd'hui. Ouais, FF, hein. Ouais, ce qu'il faut, mais tain, ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qu'on commence? On commence par les pantalons, hein. Focus, hein. On va prendre ça, ça. J'ai pas 4000 essais pour rework le stat de base. Putain. Oh, yoyoyoyoyoyoyoy. Dernier try. La grosse chiasse. Enfin, de la grosse chiasse, non, mais je perds de l'ability power quoi. Après le mana, c'est pas si mal hein.
commence à faire beaucoup de mana par contre la mer. Là, ça commence à se voir. Après, en vrai, là, je mets item rarity. Je mets des. En fait, il faudrait que j'assure l'item rarity et que je chatte des HP. On va faire ça, je pense. Attends, wait. Non. Déjà level 47? Ouais, bon, ça monte vite après, hein. Ça se fait tout seul, hein. Ça monte vraiment vite, hein. 12, c'est insane. Et du coup, là-dedans. Oh. Oh. Suis mitigé parce que. On a ni armure ni PV, quoi. Sur un nouveau stuff Omega, ça casse les couilles. Après, on a 12 d'item rarity, on a 38 de mana regen, mais bon, on peut avoir largement mieux, quoi. En fait, sur un stuff Omega, t'es obligé de grid, quoi. Genre. Tu peux avoir tellement mieux que la merde que j'ai eu, quoi. Bon. En. En. Ça aurait été item rarity à la place, ça aurait été bien. On a des jets de merde sur l'armure et la HP. En fait, j'ai un crafting potentiel de fou furieux sur l'item, donc je peux le reroll tellement de fois. Là, si je mets ça dessus. De la merde, ok. Parce que là, j'assure un item rarity. Oh là, il est fat, hein. Un level de heal en plus, c'est pas mal ça. Pas mal. Le 50% mana regen, il est banger. On va retester comme ça, mais. Bon, on a que 9%, c'est pas fou. Et on a 18% de dégâts en plus. Oh, elle est quand même bien. On n'a pas d'HP, mais. Level max heal. Je sais pas si tu peux dépasser ton level max en heal. Ouais, tu peux monter niveau 9. Tu vois. Alors, du coup, ça me heal à 10. Et sans ça, ça heal à combien? Ça heal à 9. Ah ouais, tu peux monter au-dessus, hein, c'est prévu pour. Hein. Non, mais vas-y, go comme ça. Hein. Comme ça, de toute façon, faut que je m'en débarrasse de ces jambières un jour. Voilà quoi. Hein. Ça serait un peu con sinon. Oui! Bon, ça aurait pu ne pas être prévu, hein, mais oui, ça serait un peu con quoi. Mais c'est sympa en vrai, un level option heal. Je perds un peu d'ability power du coup, parce que ça me fait une pièce en moins, il y en a, mais bon. Je fais déjà très mal avec la boule de feu donc. Non, c'est pas si mal. Ok. Merde, qu'est-ce que j'ai noté? Et fais voir là-dedans qu'est-ce que j'aimerais bien rework. J'aimerais bien tester le bouclier d'avoir un bon boubou là. Mais bon, c'est un bouclier Oméga que j'ai donc. Là, j'ai quand même un préfixe en moins et un suffixe en moins donc. Et y a le torse que j'aimerais bien modifier. Et le torse, je voulais le roll de base, mais je peux plus du coup. Et les bottes, je peux voir pour avoir des belles bottes. Mais le torse, je peux plus le modifier de base, hein. J'ai plus de Xbox. En fait, j'aimerais bien retirer le crit hit résistance pour avoir de la ability power à la place, mais. C'est bon. Nul. 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 Oh. Oh. Ouh. Damn. Là, je mets mana regen, on n'en parle plus. Hein. On n'en parle plus.
Attends, là j'ai des bons rôles en vrai. 5 d'armure en plus, j'en avais pas. 3% d'épée en plus. En fait, là, ces bots là vont me compenser le fait que j'ai pas d'ability power sur le torse par rapport à ce que j'avais avant du coup. Ouais, surtout pas aller là-dedans du coup. Et on veut du mana regen. Requiert level 64, hein. Ta mère. Ah non, c'est pas le bon truc, putain, je me disais. Bon, 33% mana, c'est mieux que ce qu'on avait. Ouais, c'est un stonks en vrai. Hein. C'est un stonks. Par contre, j'ai plus d'émeraude du coup. Et là, je vais les garder de côté. Ça reste des belles bottes en. Si jamais j'en veux d'autres. Hein. En rechange. Hein. Oh, elles sont vraiment cool. Tout à l'heure, on était à 87 d'AP, je crois. 81, je sais plus. On a perdu un tout petit peu d'ability power, forcément, parce qu'on a une pièce entière qui en donne plus. Mais là, les bottes en donnent quand même 5 de plus, plus 3% en plus. Et ouais. C'est vrai que c'est dommage de pas en avoir sur les jambières, mais du coup on a quand même 39 de mana en plus. Ce qui fait qu'on sait un peu la merde, on peut utiliser plus de spells, tu vois. Si genre on veut dash, puis heal, puis boule de feu, puis des rodash, hero heal, dex up, etc. Le temps que ça régène, on a quand même un pool de mana qui est quand même plus intéressant. C'est sympa. Et pareil mes bottes, non? Enfin mes bottes, ma pioche. Hop. Hein. Non, en vrai là on a du stuff, il y a juste le casse, c'est un peu chiant qu'ils soient en commun. Mais il a quand même des bonnes stats. Hein. Bon, un casque commun, je veux dire. En fait, là où j'ai du stat, en tout cas, c'est quand même des bonnes stats. Hein. On a quand même des bons jets. On a eu max de mana regen possible et on a eu un truc en au-dessus là. Et par contre, du coup, sur le stuff 47, les stats sont plus élevés. En tout cas, pour le mana regen, c'est plus élevé. Okay. Ah, t'as parce que c'est en crafted aussi. Je sais pas. Ouais. Ouf. Bon, bah nickel hein. Bon, le black market, je regarderai après le live. Où ça en est, pour voir ce que j'ai. Puis voilà. Prochain truc qu'on se fera, vu que de toute façon j'ai pas encore action cloudor et tout, ce sera sûrement la ferme à bois, je pense, avant de faire du refine storage, j'attends quand même d'avoir ce qu'il faut, donc on arrête un petit peu de create prochaine fois, faire les botanipotes, tout ça. Parce que le bois à chaque fois il m'en demande, puis je commence à plus en avoir beaucoup. Puis il va m'en falloir quand même beaucoup, je pense, par la suite. Puis ouais. Ouais, on fera ça vendredi, et je pense que ce week-end, du coup, on se fait refine storage. Surtout qu'en plus, il va falloir que je crafte des disquettes aussi, donc avant d'installer le truc, parce que c'est pas avec les deux disquettes de 4K que j'ai ici que je vais aller loin. Je ferai pas des 64K, parce que 64K, elle coûte cher sa mère. Ah oui, j'ai le burger que je voulais faire aussi. Hop, voilà. C'est quoi, c'est avec ça, ça, ou c'est déjà upgrade ceux-là? Non, ils sont déjà upgrade ceux-là. D'ailleurs, attends, pour les burgers, j'ai pas des nouveaux ingrédients. Pas mieux que la laitue. Ah non, c'est niveau 50 après. Ouais, c'est niveau 50 qu'on aura le Burger Pickles. Et qu'on pourra faire du coup ces burgers là. Ouais. Pour énergie, j'utilisais quoi? Bah, Poua. Je crois du Poua que j'ai débloqué là. Donc, en fait, Poua, t'as différents trucs pour de l'énergie. T'as les fours, c'est comme des iron. Enfin, c'est comme des générateurs, voilà quoi. Tu mets un combustible dedans, du charbon ou autre, ça cuit. Donc avec une ferme à bois, ça pourrait être pas mal. Mais t'as aussi en fait les thermogénérateurs. Les thermogénérateurs, ça produit de l'énergie passivement. Ça en produit un peu moins que les fours, mais ça en produit passivement, ça a besoin de rien, si ce n'est de l'eau. En fait, il faut juste un refroidissement. Donc de l'eau, ça marche très bien. Et il faut peut-être de la glace dedans aussi, je sais plus. Ah, il faut peut-être de la glace, tu me diras. Ou alors l'eau, ça remplace la glace, je sais plus. Je sais plus comment ça marche exactement. Attends, PO1. Thermogénérateur. Non, c'est thermoélectrique générateur, ça n'a rien à voir. Attendez que je retrouve sur internet l'interface du merdier là. Ah oui, non, faut rien. Non, ah oui, non, je confonds que les réacteurs où il faut de la glace et tout ça. Non, oui, donc ouais, il faut juste alimenter en eau, lui mettre un bloc chaud en dessous, genre un magma crushable. Un magma crushable, un magma bloc. Et par exemple, si après tu mets du blazing, c'est encore plus stonks. Bon, au début, on mettra de la lave. Mais le blazing, c'est pas tout de suite parce qu'il faudra faire les orbes. Il faudra juste faire les orbes. Bon, tu me diras, ça peut se faire assez rapidement, hein, mettre du blazing. Parce que si je mets du blazing au lieu du magma bloc, je produirais, enfin au lieu de la lave, je produirais 2,8 fois plus en théorie. Donc, mais déjà, rien qu'avec de la lave, je crois que ça produit du coup 60, ça produit ce qui est affiché. Donc, 60 RF parties quoi. Donc t'en mets quelques-uns, t'en mets une dizaine côte à côte, t'as 600 RF parties que c'est amplement suffisant pour alimenter ton applied au début quand t'as qu'une crafting grid et puis un drive à alimenter. Donc voilà. Après t'auras les réacteurs, t'as plein de trucs que tu peux faire avec poids. Moi j'aime bien comme mode. J'aime bien. Putain, l'énergie sale aussi si jamais tu veux stocker de l'énergie. Ça c'est cool.
savais pas combien tu penses stocker par contre, mais tu peux. T'as des caps d'énergie aussi. Donc les caps de base là qui coûtent rien, ils font du 2000 RF par tick. Après, vu que j'ai Pipe Z. Merde. Je sais pas qu'est-ce que ça coûte Pipe Z pour les câbles. Ça coûte que dalle. Parce que ça, je sais plus comment ça transfère en énergie aussi. Limite, je dirais peut-être Pipe Z en plus. On verra, on verra. Bon, enfin! Mais écoutez, on peut prendre speed du coup. Voilà. Bon, juste speed 1 ça suffira. Après, ça va être un peu vomitif. Au moins, on a speed en perma donc ce sera cool. Bon, bah nickel! Il y aura plus qu'à enchanter les bottes la prochaine fois là quand j'irai refaire du coup des émeraudes là. Mais limite, si je fais ma petite grange avec les bottes Anipot, il faudrait peut-être que je fasse un petit squat pour les PNJ aussi à côté. Ce pourrait être cool. Que je les y mette là-bas. Hein. Speed 3 de ton côté? Ouais, ça fait beaucoup à vrai. Mais en même temps, c'est vraiment stonks hein, pour full explorer, mais. Mais j'aimerais bien remettre des points, faudrait que je finisse mon point là-dedans là. Et mettre des points là-dessus là, Illager et. Après ces deux mobs là tu les croises quand même rarement. Et quand tu les croises, t'es content de les avoir donc ouais. De toute façon je vais mettre deux points partout ici déjà. Ouais ça augmente la prod selon le bloc que t'as en dessous ouais. Là-dedans je pense pas remettre de points dans les habilités. J'ai le dash à fond, j'ai le heal à fond. La boule de feu. Ah la boule de feu il manque un point. Ouais. Poison Nova, un plaisir. Ouais, mais j'aime bien les spells que j'ai en vrai là. Heal, dash, machin. Après, ça me fera encore un spell en plus à bind, relou quoi. D'ailleurs, j'ai rien sur R. Hein. Je pourrais mettre la Nova sur R comme sur WoW. Parce que ça fait mal la Poison Nova? Ouais, Poison Nova. En fait, si tu boules de feu, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir une Poison Nova en plus, tu vois? Les mobs qui meurent par un poison recréent une poison Nova sa chaîne kill. Oui mais ça marche que si jamais t'as appris un truc là-dedans là qui est je sais plus où non? Attends. C'est où qu'il y avait ça? J'avais vu un truc là-dedans. Ah c'est ça, en fait après faut la toxin reaction. Ah c'est vrai que les deux ensemble ça peut être sympa quoi. Et en plus, tu mets genre un nuage de poison sur ton épée. T'as pris Archon, toi, tu ne tapes plus les mobs. Hein. Archon, bordel le cul. Si. D'où cette couille. Y'a Archon là-dedans. Tu upgrades d'un truc, je pense. L'aspect du smite, hein. Au smite. Ah mais du coup c'est un truc à rester appuyé dessus, c'est ça? Après mana par seconde ça coûte que 0,5. En fait ça tu joues ça en mode full speed quoi. Ah c'est toggle, ah! Oh, ça a l'air fun en vrai. Ouais, faut vraiment un gros build d'Ability Power, mais. Tu rejettes assez de mana. Bah, si ça coûte 0,5 par seconde. Sachant que là, moi avec mon build tout claquos. Je suis à 300% de mana regen là. Bon. Ça va, hein. Et encore, j'ai 300% de mana regen, j'en ai même pas sur le torse, hein, pour dire. Ouais, avec la regen full life, c'est facile, ouais. Ouais. Mais de toute façon, t'as plein de builds fun. C'est vrai qu'après, bon, la poison Nova, si jamais en plus t'as un poison cloud sur ton épée, t'es trop bien. Parce que bah, du coup, juste à chaque fois que tu tapes, ça va les buter. Mais boule de feu, oh, c'est sympa, hein, t'as un gros pack de mobs, voilà. C'est vrai que pour l'instant, je peine pas trop à tuer les mobs, sauf quand t'as plusieurs hordes de mobs à la suite, hein, c'est un peu chiant. Mais je pense pas avoir le gear pour l'instant pour ça. Il faut vraiment full move speed, j'imagine, et puis. Y a pas mal d'ability power quoi. C'est après en fait si je joue ça, faudrait que je rechange totalement mes spells. Bah la boule de feu du coup elle dégagerait. Limite la force bah tu tombes à les couilles, je la vire. Bon c'est toujours bien après quand même quand tu tapes hein, quand t'as plus de mana mais. Bah
Parce qu'en fait, ça touche les mobs sans même forcément qu'ils te touchent. En fait, ça a une petite range quand même, parce que tu vois, ça met... Puis en fait, faut vraiment toucher physiquement les mobs, quoi. Et toi aussi, te touche pas. Ok. Ouais, oui. Et puis la rep en donjon c'est Wakan. Ouais, c'est ce que je fais quand j'ai les boss. Hein. Après, je pourrais virer ça et prendre Archon à la place. Hein. Déjà, hein. J'ai pas un stuff incroyable, mais j'ai quand même la mana régène à fond. Je commence à avoir un peu de speed et tout. Par contre, tu joues avec quoi? Tu joues comme avec un shield ou tu joues avec une. Est-ce que tu joues avec un shield en fait? Tu joues qu'il y a du bloc chance? Je pense qu'au niveau durabilité, tu dois faire enculer ton stuff quoi, à force. Ou tu joues avec une wand pour avoir encore plus de dégâts. Hein. J'ai viré la wand avec le truc légendaire. Shield 36 tornes, c'est si. Là, je joue avec une wand, mais je pense que les deux sont viables. Ok. Ouais, parce que s'il faut quand même aller au cac des mobs et que tu peux forcément ou que tu te prends quand même une baffe avant, quand même bien d'avoir du bloc chance quoi. Je vois, je vois. Ouais, bah je testerai. Après, de toute façon, au pire, ça me coûterait quoi à désapprendre la boule de feu? Ça me coûterait 6 et 7 perles pour tester le smite là. Toute façon, en soi, les perles. Je sais plus comment ça s'appelle les perles pour oublier. Les perles rouges. Hein. Ça. En soi, Archon te donne une resist buff de 30% pour la durabilité. Non, mais sinon, faudrait que je teste la Nova en vrai. Hein. L'avantage de la Nova, c'est que je pourrais la prendre en plus de ce que je joue déjà actuellement. Ça nous rendra juste quelques points en plus. Hein. À les prendre là-dedans, faudrait mettre, ouais, faudrait claquer au moins 4 points, plus balayer tous les points de la Nova, quoi. C'est plus un truc que je serais genre une fois level 55, truc comme ça, quoi. Je peux commencer à me diriger dessus, ça me permettrait de pas avoir à changer mon build, en fait. On va plutôt faire ça. Archon, je verrai plus en late game, je pense. Waki waki. Bon. Et bien sur ce, les amis, moi, je vais vous laisser. Je vous dis rendez-vous demain. Demain, fin de matinée, midi. Pour le prochain live, on passera vers ouais, 10h30, un truc comme ça, je pense. Un truc dans le genre. Ouais, ça dépendra de l'heure à laquelle je me lève aussi, mais normalement ça devrait aller. Donc, vous souhaite passer une bonne après-midi, une bonne journée. Et puis, bah, je vous dis rendez-vous, comme dit, demain pour la suite de l'aventure sur Vault Hunter. On commencera sûrement à faire du petit peu de create, hein, là, une petite ferme à bois, tout ça. Donc, ouais. Après, c'est vrai que pour l'énergie, du coup, je pourrais automatiser ma production d'énergie avec le bois et que je transformerais create en charbon, que je mettrais du coup dans les fours plutôt que faire les thermogénérateurs. On verra qu'est-ce qui est le plus efficace ou le moins cher ou le plus cher ou quoi. Donc, on verra ça demain. Allez, des bisous tout le monde, portez-vous bien.